Bonsoir les cousettes, je sais que vous m'attendiez, donc me voici pour le live Mystère Ébène. Je suis désolée, je suis un tout petit peu en retard. Ce live est diffusé, j'ai deux téléphones en fait face à moi. J'en ai un qui est diffusé sur Instagram. Bonjour Instagram, ça fait longtemps qu'on n'a pas fait de live ensemble. Et j'en ai un autre diffusé sur Facebook. Donc j'espère que ça va, je suis un petit peu en retard parce que j'ai pas mal en fait de spam sur ma page Facebook, d'accord ? Donc ne cliquez sur aucun lien. Il y en a qui sont en forme ce soir, donc tous les messages en anglais qui disent live stream par ici, vous ne cliquez pas. Tous les messages qui vous disent de cliquer sur quelque chose, de rentrer vos cartes bleues, on ne clique pas non plus. Et du coup, ça m'a mis un peu en retard parce que j'étais obligée de bannir certaines personnes. Mais elles sont plus nombreuses que moi, visiblement. Comment allez-vous? J'ai vu que certaines mettaient des messages. Quand est-ce que ça commence? J'ai loupé. Vous ne m'avez pas loupé. C'est moi qui suis en retard. J'espère que vous allez bien. Du coup, comme j'ai deux téléphones, hello, hello, je vais essayer de privilégier plutôt Facebook parce que c'est là que vous êtes le plus nombreuses et nombreux. Instagram, je vais essayer de vous lire, mais c'est compliqué pour moi d'être sur les deux écrans en même temps. Elodie, Joanne, Aldi, il n'y a pas direct sur Facebook. Si, il y en a un parce que je diffuse avec deux téléphones. Je les ai lancés à 2 secondes d'intervalle, donc j'espère que vous allez bien. Déjà, je suis trop contente de vous retrouver. Alors, j'ai mille et une lumières là, vous me direz si vous voyez bien. J'ai pas trop eu le temps de régler mes lumières, j'en ai beaucoup. Parce que le but, c'est que vous puissiez bien voir ce qu'on va faire. N'hésitez pas à me dire s'il y a besoin de changer quelque chose. Je suis ravie de vous retrouver pour ce live mystère. Le dernier live mystère, c'était... c'était quand? Cet été? Non, non, c'était la trousse Raphaël au mois de janvier. Je suis très contente de vous retrouver. Pour le modèle Ébène, qui a l'air de déchaîner un petit peu les passions sur Facebook, j'ai vu plein de messages, donc merci beaucoup, vous avez l'air hyper enthousiaste. Et enthousiaste, oui, parce que enthousiaste, c'est... c'est unisexe, c'est n'importe quoi. J'espère que vous avez préparé vos pièces. Aujourd'hui, le programme, on va pas coudre beaucoup, d'accord? Ah, Dominique, elle dit, me voici rassurée. Eh bien, super, Nadège, trop contente. Stéphanie, bonsoir tout le monde. Frédéric nous rejoint. Eh bien, c'est chouette. Du coup, ce que je voulais vous dire. Aujourd'hui, on va faire un gros récap. Je vais vous expliquer qu'est-ce que c'est un live mystère, d'accord? Je vais vous expliquer le concept, le challenge, parce que ça, c'est super chouette, vous allez voir. Et on va faire... un récap des pièces, ok? Je vais répondre à toutes vos questions, questions tissu. S'il y a des questions que vous vous posez sur quoi choisir, tout ça, j'y répondrai. Et on va préparer quelques pièces, mais pas beaucoup, parce que, bah voilà, c'est le lancement du challenge. On démarre tranquille et à partir de demain, par contre, on va pas mal coudre. Donc, Émilie, bonsoir. Bonsoir Valérie, bonjour à toutes. Vous êtes nombreuses sur Facebook, hein. Vous êtes 570. Instagram, vous êtes 100. Eh ben, c'est chouette. Voilà, Julie, elle nous dit, petit rappel, ne cliquez sur aucun lien, d'accord? Aucun. Moi, je vous redirai les liens dans les liens officiels, d'accord? Les liens officiels pour acheter le patron, si vous ne l'avez pas encore, c'est boutique.dodinette.com. Il n'y a pas d'autres liens. Les explications du challenge, ils seront sur blog.dodinette.com, ok? Et pour voir un live ou quoi que ce soit, on ne vous demandera jamais de code de carte bleue ou de payer quoi que ce soit. Ok, qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, j'essaye de garder le fil et je vous lis en même temps. Peu de couture aujourd'hui, donc si vous n'avez pas fini de couper vos pièces, ne courez pas, vous pourrez terminer pour demain. À partir de demain, on va coudre pas mal de choses. Je me suis fait un récap, je me suis fait un programme. Je vais essayer, bien entendu, de le respecter au maximum, mais si besoin, je changerai quelques petites choses en cours de semaine. Donc, qu'est-ce que c'est que le live mystère? Coucou Ludivine, bonsoir. Il y a des visages et des petits bonhommes que je connais, c'est chouette. Le live mystère, le principe, on va coudre un projet mystère, c'est-à-dire que vous ne savez pas ce que c'est. Moi, on ne me l'a pas dit non plus, si moi je l'ai cousu beaucoup. C'est le modèle Ébène, d'accord? Il n'est pas encore sorti, donc si vous avez commandé le patron, vous n'avez que les gabarits des pièces et les explications de découpe, c'est normal. Martine, tu n'es pas en retard, on commence à peine, c'est moi qui étais en retard, ne t'inquiète pas. Et le principe, on va coudre tous les jours de mercredi à dimanche.
tous les jours 2 heures, de 18h à 20h, peut-être des fois ce sera un peu moins de 2 heures, mais vu notre programme, je ne pense pas. À chaque session couture, vous avez un replay qui sera hébergé sur YouTube et sur le blog. Du coup, je constate ce qui fait bon chez toi, Cassie. Oui, parce que j'ai couru partout, c'est pour ça. C'est toujours pareil, la même chose. Je cours partout au moment du live pour tout finir comme je veux. Et du coup, je suis toujours réchauffée. Qu'est-ce que je vous disais? Oui, du coup, on va coudre tous les jours ensemble. J'active le replay tous les soirs, à peu près 1 heure après, parce qu'il faut le temps que je télécharge ma vidéo et que je la mette sur YouTube. Vous la retrouverez sur le blog. Si vous voulez travailler en replay, vous aurez un replay de chaque session. Donc, vous inquiétez pas pour ça. Par rapport au montage, du coup, on va monter tous les jours notre ouvrage. Sur le groupe d'entraide sur YouTube, sur Facebook, il y a un groupe qui s'appelle « Coudre le mystère ébène de Dodinette ». N'hésitez pas à nous rejoindre si vous n'êtes pas encore dessus, parce que tous les jours, tous les matins, on vous listera les pièces dont vous allez avoir besoin pour le live du soir. Ça vous permet de vous préparer, ok? Et à l'issue de cette semaine de folie de live, nous allons découvrir Ébène, d'accord? Un modèle que j'aime beaucoup, sur lequel j'ai énormément travaillé, et les testeuses aussi. Et vous aurez après, à partir du 11 décembre, d'accord, le patron complet sur votre compte client dans la taille qu'on aura fait. Donc, on va travailler à la taille 1. Ça va, Noël? Je suis contente de vous voir toutes et tous en ligne. Ça me fait très plaisir après ces semaines de folie, de préparatifs. Je suis vraiment très, très contente. Je pense que vous aussi, vu les messages. Et le modèle Ébène sortira le 12 décembre. Si vous avez commandé le patron, vous allez recevoir par mail. Merci Stéphanie pour tes étoiles, merci beaucoup, je ne t'avais pas vue. Vous allez recevoir par mail un code promo pour ne pas repayer la taille que vous avez déjà achetée, d'accord? Voilà, pour le déroulé de ce live, je vous demande s'il vous plaît de ne pas spoiler, c'est-à-dire que certaines ont peut-être compris quelques petits montages. Ne postez pas sur les réseaux, ne le mettez pas sur le groupe d'entraide, c'est important. Le but est de garder la surprise et que chacune et chacun, puisqu'il y a Hervé qui est avec nous normalement, découvre son modèle ébène prendre forme sous sa machine. Laurence, elle demande si c'est un sac. Eh bien Laurence, je n'ai pas la réponse à cette question. La seule chose que je peux te dire, c'est que ce n'est pas un vêtement. Le reste, le mystère demeure. Amandine, elle dit, ça y est, j'ai tout découpé et thermocollé, je vais sortir ma machine. Eh bien, parfait Amandine. Merci pour tes étoiles Stéphanie, c'est adorable. Du coup, avant de commencer, parce que ça c'est la pépite du jour, j'ai travaillé en off sur plusieurs choses, notamment un top super challenge, d'accord? Et il est en partenariat avec Bohain et coudrebrodé.com. Oui, Laetitia, elle dit, attention, beaucoup de spam, ne cliquez pas sur les liens et quoi qu'il arrive, ne renseignez pas vos coordonnées bancaires, sauf si vous êtes en train de commander un patron sur la boutique. La boutique, c'est boutique.dodinette.com, d'accord? Oui, il y a un lien arnaque qui circule sur la page du mystère, sauf que moi, comme je suis en live, je ne peux pas interagir sur ces liens. Donc, s'il vous plaît, on ne clique sur rien. Vous êtes au bon endroit, vous n'avez rien besoin de cliquer. Ok? Du coup, le challenge... Qu'est-ce que c'est? Le challenge, le principe, ça va être coudre le mystère ébène, d'accord? Tu vas bien nous donner des petits indices, Patricia? Peut-être, on verra. Stéphanie, elle demande si c'est une culotte. Stéphanie, elle sait ce que c'est, elle est coquine. Du coup, je perds mon fil parce que je lis vos messages, je lis mon équipe de modération qui me parle en même temps. On va bien, ça va être pratique. Donc, le challenge, c'est... coudre le mystère ébène, soit pendant le live, d'accord, merci Christelle pour tes étoiles, vous êtes nombreuses, ça défile très vite, soit à la sortie du patron, j'essaye de garder le fil, c'est compliqué, soit à la sortie du patron, d'accord, et ensuite il y a des très très beaux cadeaux à gagner. Donc comment se passe le challenge? 1, il faut vous inscrire au challenge, d'accord. Et oui, ok, je lis en même temps. Il faut s'inscrire au challenge, le lien va vous être donné. Il vous est donné là, soit par Laetitia Grenier, ça vous pouvez cliquer. Julie Lescure, vous pouvez cliquer. Et Claire BLBN, vous pouvez cliquer. Le reste, vous ne cliquez rien, d'accord? Donc pour vous inscrire au challenge, je vous remettrai le lien dans un post demain, c'est le plus simple. Sinon, vous allez sur
blog.dodinette.com. Ok, coucou Didine. Et là, il y a un article sur le challenge, simplement. Donc, je récapitule. Il y a des pubs, c'est pénible, qui dit Patricia. Je sais pas, Patricia, je ne vois pas de pub, moi. Du coup, comment participer au challenge? Je m'inscris au challenge. Voilà, Laetitia Grenier vient de vous mettre le lien. Ça y est, je sais, c'est quelque chose qu'on va coudre à Elvige. Elle est rigolote, Elvige. Ensuite, on coud son modèle ébène, son slip, sa trousse, son taille-crayon, son sac, son, je sais pas, porte-document. Merci Caroline, c'est adorable, elle me dit trop rayonne de dinette. Ah, j'arrive Aurélie avec, le, avec les dates. On coud son modèle ébène, on verra ce que c'est, d'accord. Soit pendant le live, soit avec le patron qui sortira. Le challenge, il démarre à partir de maintenant, mais bien sûr, vous n'allez pas savoir ce que c'est tout de suite, donc vous avez du temps. Et le challenge, oui, Anne-Sophie a dit, on n'est plus de buisson entre Facebook et Instagram, oui, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Donc... C'est compliqué de, pour moi de suivre. Merci Edith pour tes étoiles. Oui, Anne Lafont, elle a reçu le mail aujourd'hui pour s'inscrire. Ok. Bon, alors je vais arrêter de lire et je vais vous dire. Donc, on coupe le modèle est belle, d'accord. Et après, on le poste sur les réseaux. Allez, les dates. À partir de maintenant, ok, jusqu'au 8 janvier, vous avez du temps. On coupe son cadeau de Noël, dit Sophie. Oui, tout à fait aussi. Pour soi ou à offrir, on ne sait pas. Donc, on coud notre modèle jusqu'au 8 janvier. On a jusqu'au 8 janvier pour participer. On peut en coudre plusieurs. On fait ce qu'on veut. Les tissus, on prend ce qu'on veut. On pourra modifier le patron si on veut, mais il faut quand même reconnaître le modèle ébène, d'accord? Si c'est une robe et que vous faites un slip, ça n'ira pas, par exemple. Coucou Charlène. Et ensuite, une fois que vous êtes inscrit, vous le postez sur les réseaux. Je vous redirai comment on participe, etc. Ok, c'est bien, qu'est-ce qu'on gagne? Parce que là, on coud, mais qu'est-ce qu'on gagne? On gagne des très, très, très beaux cadeaux. Alors, il va y avoir 5 gagnants, je vous explique qu'est-ce qui se passe. D'accord. Il y a un très, très gros cadeau qui est offert par coudreetbroder.com. Et ce cadeau-là sera offert à la personne qui aura fait un modèle ébène qui plaira à l'équipe de Coudre et Broder qui choisira, d'accord, le modèle et dira c'est le modèle vainqueur parmi tous les modèles participants. Ok, mais je vous referai un post demain qui vous explique tout, tout, tout parce que là c'est... Merci Anthony, dit on t'adore de Dinette. Christiane, coucou, mais comme je vous parle en même temps, je lis, je ne sais plus ce que je raconte. Donc, ce très beau cadeau de Coudre et Broder, qu'est-ce que c'est? Tada, je vous le montre. Normalement, j'ai imprimé sur l'envers, vous allez pouvoir lire. Voilà, donc c'est une machine à coudre Brother, c'est la F410. C'est une machine à coudre électronique d'une valeur de 999 euros. Oui, oui, oui. Un très, très beau cadeau. Et donc là où le gagnant, on ne sait pas, peut-être sera Hervé qui va gagner, du coup, remportera soit cette machine, très belle machine, offerte par coudreetbroder.com, soit un chèque cadeau de la valeur de la machine, donc 999 euros. Ok, si la personne a envie de upgrader son cadeau et de s'offrir une machine encore plus haut de gamme. Donc ça, c'est le très, très, très beau cadeau offert par coudreetbroder.com pour ce challenge. Et je suis juste trop, trop contente. Je pense que vous aussi, je vois des waouh, 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 cool, c'est cool. Ensuite, donc ça, c'est la personne qui fera le modèle ébène qui sera choisi par l'équipe. Ensuite, il y a une deuxième personne qui va remporter le cadeau de Dodinette. Donc, qu'est-ce que c'est le cadeau de Dodinette? C'est une année de tissu et de patron, d'accord? À hauteur d'un patron par mois et d'un coupon de tissu par mois. Donc, c'est un cadeau d'une valeur quand même de 240 euros pour la deuxième personne. Et qui va gagner ce cadeau, hein? Eh bien, moi, je vais passer sur le groupe. Je vais voir tous les modèles ébène que vous aurez cousus. Je vais en choisir 10 et c'est vous qui allez élire le ou la création gagnante. La création gagnante, le ou la gagnante, je voulais dire. Le ou la gagnante. Merci pour tes étoiles, Delphine. Du coup, là, ce sera la communauté de Dinette qui va élire le modèle ébène qui mérite de gagner ce très beau cadeau que je vous offre. Donc ça, voilà, nous avons deux gagnants. Et il y a encore 3 autres gagnants. Et là, j'avais envie que tout le monde ait sa chance. Et ça, c'est très, très important pour moi. Donc, du coup, ça va être du tirage au sort parmi toutes les personnes qui vont participer.
Amandine a dit punaise, on est gâtés. Eh ben, je suis contente. Muriel, ça te plaît. Stéphanie aussi, c'est cool. Merci pour tes étoiles, Gaëlle, c'est adorable. Et du coup, il va y avoir 3 créations qui seront tirées au sort parmi toutes les créations qui vont participer. Ok, et ça, c'est le cadeau de Bohain. C'est aussi un beau cadeau, il est très chouette. C'est leur nouveauté. Je vous montre. Il va y avoir des boîtes de pression sans couture. Vous savez, c'est leur pression magique. Et ils vont offrir 3 boîtes complètes de 80 pressions. Donc la valeur du cadeau, c'est de plus de 40 euros. Je crois que c'est 44 euros, quelque chose comme ça. Et donc ça, tout le monde a sa chance parce que ça va être des créations tirées au sort parmi tous les participants. Donc ça, c'est vraiment cool. Et donc nous avons 5 gagnants pour le coup sur ce challenge. Et la valeur, je vous ai dit plus de 1200 euros, mais c'est même plus de 1400 euros. On n'est pas loin de 1500. Donc ça, c'est chouette. Virginie, elle dit, il y aura plusieurs fois le même modèle. Comment vont-ils se distinguer? Eh bien, on verra, je ne sais pas. Là, pour les personnes qui ont pris des kits, d'accord, donc il y en a plusieurs qui ont le même modèle, mais après, vous pouvez le faire en live, participer avec celui-ci, mais en coudre d'autres parce que c'est jusqu'au 8 janvier. Donc, vous avez le temps de faire plein d'ébènes différents. Pascal, merci pour tes étoiles. Merci beaucoup. Est-ce que c'est bon pour vous pour le challenge? Est-ce que vous avez compris? Sovia, elle dit impressionnant les cadeaux sur Instagram. Et bien, cool, je suis contente que ça te plaise aussi. Donc, du coup, si vous voulez retrouver toutes les informations sur ce challenge, rendez-vous sur blog.dotinette.com. J'ai fait un article, vous avez tout. Vous pouvez aller vous promener, voir les différents cadeaux. Nathalie a dit c'est Noël avant Noël. Et bien, oui. Et Josiane, magnifique cadeau, super. Et bien, je suis contente que ça vous plaise. Et tant qu'on y est, je remercie vraiment, vraiment mes partenaires parce que. Ils n'ont pas hésité à offrir des choses qui sont vraiment cool pour ce challenge de fin d'année. Donc, merci à eux et bonne chance à chacune et chacun d'entre vous pour ce challenge. Je vous souhaite de gagner. Sandrine, elle dit « J'adore Bohain et Dodinette ». Eh bien, merci beaucoup. Alors, c'était l'aparté du challenge. On a un petit peu de travail. Amandine a dit « On a tout compris, maîtresse ». Moi, j'ai plus de salive, je vous le dis, j'ai parlé trop vite. Encore, comme je lis en même temps les trucs, c'est compliqué pour moi. Trop beau cadeau, elle dit Ariane. Eh bien, trop bien. Catherine aussi, c'est chouette. Coucou Bygène qui nous rejoint sur Instagram, j'espère que ça va. Du coup, notre programme. Live, mystère et Ben. Le challenge, c'est bon. Est-ce que tout le monde a imprimé son patron? Ça, c'est important. Découpé ses pièces? Aujourd'hui, on ne va pas utiliser toutes les pièces. Je vais vous dire quelles pièces on utilise. Ok. Et là, Cécile a dit, c'est vraiment super. Déjà, faire le live, c'est génial. En plus, on est gâtés. Eh bien, je suis contente que ça te plaise. Que les meilleurs gagnent, Lydie. Oui, et puis un petit peu de, je dirais, un petit peu de chance pour le tirage au sort. Et je fais un bisou à Lucette qui nous rejoint sur Instagram. Parce que Lucette, elle voulait savoir absolument ce que c'était le live mystère, ce que c'était le mystère ébène. Et elle m'a posé la question sur tous les salons depuis le mois de septembre. Et je n'ai rien dit. Donc elle vient voir Lucette ce qui se passe. Alors, je vous propose, je vais sortir mes pièces. Je vais vous faire un petit récap, d'accord, des pièces globales du modèle, tout ce qu'on va devoir faire, toutes les pièces qu'on va assembler cette semaine. Et ensuite, je répondrai à vos questions si vous en avez. Et on fera un petit peu de couture, mais un petit peu pas beaucoup aujourd'hui. Comme ça, celles qui sont pas prêtes, celles qui sont pas prêtes ne perdent pas trop de temps. Je vois qu'il y en a une ou deux qui disent « Je n'ai pas reçu mon kit ». Écrivez un mail au SAV, ça c'est important. On a suivi toutes les livraisons qui posaient problème. Si vous ne nous informez pas que vous avez un souci de livraison, on ne peut pas deviner. Donc n'hésitez pas à nous écrire. Le SAV, c'est boutique@dodinette.com. Merci. Anne-Sophie, elle dit « Dodinette, ma créatrice de patron préférée, merci ». Eh bien, ça me fait plaisir, merci beaucoup. Alors, je range mes anti-sèches de cadeaux. Et on va un petit peu travailler quand même. Hein. Alors, Émilie, elle dit, elle a un doute sur son impression. Elle demande sur le groupe la dimension de 2 pièces pour voir si c'est OK. Eh bien, je vais peut-être te répondre en direct, Émilie, parce que j'ai mes pièces là. D'accord? Oui, à l'atelier de Virginie, il y aura un replay. Comme toujours, il n'y a pas de problème. Alors, j'en profite tant que je suis là. Là, c'est à l'envers, du coup, parce que c'est imprimé dans le bon sens. Je vous ai fait un calendrier du live mystère.
Ok, donc si vous voulez le télécharger, n'hésitez pas, pour vous le mettre, il y a des liens, des petits pense-bêtes, tout ça, n'hésitez pas à aller sur blog.dotinette.com, ok? Et dans l'article sur le live Mystère Ébène, vous pouvez le télécharger gratuitement. Hop, je range mon petit bazar et on y va. Delphine a dit, elle est en pleine découpe des pièces en même temps qu'elle nous écoute. Eh ben, bonne découpe à toi. Florence, tout est prêt, bien super. Alors, je vais prendre, vous avez vu, je me suis fait un petit panier parce qu'effectivement, il y a beaucoup de pièces. Ça, c'est sûr. C'est sûr que ça va être un modèle un peu plus conséquent que le dernier live mystère. J'ai commencé les live mystères, je pense, ça fait à peu près 2 ans. D'accord ? Tous les ans, j'essaye de vous proposer un modèle. Cette année, il y en a eu 2. Et plus ça va, plus le modèle est long à coudre, etc. Parce que j'ai remarqué que vous aimez bien aussi les lives où on apprend des choses. Donc ça, c'est cool. Et du coup, ce live mystère ébène, c'est un modèle encore plus travaillé que le dernier qui était la trousse Raphaël, qui vous a beaucoup plu. Alors, pas de panique, hein. Au niveau du niveau de couture, il faut juste un niveau, j'irai intermédiaire, c'est-à-dire qu'on va travailler au point droit. Et le but, ça va être de savoir coudre une fermeture. Si vous ne savez pas, merci Lionel. Lionel dit un petit coucou en passant. Bravo pour le live, amusez-vous bien. Eh bien, merci Lionel. Mais n'hésite pas à rester et poser tes questions couture parce que je crois que tu as envie de coudre, tu m'as dit. Donc, il faut savoir coudre au point droit, idéalement une fermeture. Si vous ne savez pas coudre une fermeture, vous pouvez vous challenger un peu, d'accord, sur le dernier live mystère de la trousse Raphaël. Il y en a qui se sont challengés et qui ont fait vraiment des très belles trousses. Par rapport au dernier live mystère, qui était la trousse Raphaël, je dirais que l'ébène est plus facile, d'accord? Donc si vous avez réussi le dernier, il n'y aura pas de problème et vous n'aurez pas de soucis pour coudre ébène. Donc on se fait un petit récap et puis c'est parti. Je bois un petit coup hein, parce que du coup depuis tout à l'heure je vous parle et on y va. Je vous invite à sortir vos pièces pour vérifier que vous avez tout coupé correctement et que l'entoilage est ok. Non, Lisbeth, elle dit c'était déjà chaud Raphaël. Lisbeth, non. Raphaël était techniquement difficile. Ébène est plus long. Il y a plus de pièces, mais c'est plus facile vraiment. D'accord? Donc, pas de panique, Lisbeth. Tu vas y arriver sans problème. Allez, c'est parti. Je sors un peu tout ça. Et on y va. Alors, j'ai imprimé les explications que vous avez téléchargées avec votre patron. Ok? Pour vous les montrer. C'est bien sûr sur l'envers parce que je me filme en miroir. Donc, je vais sortir tout mon petit bazar. Si vous n'avez pas préparé votre canette, je vous invite à préparer un coloris de fil qui correspond à votre tissu imprimé. Alors, je vais tout vous sortir et je vais tout vous montrer de ce que j'ai préparé. Alors, j'espère que j'ai rien oublié. Un morito et c'est parti. Alors Max, si je prends un morito, je pense que je risque de pas coudre très très droit. Allez. Donc il y a beaucoup de pièces, effectivement. Et oui, je m'excuse, je vous avais dit qu'il fallait la pièce BF et c'était BZ ce matin. Et si j'invente des pièces, on va pas s'en sortir. Hop. Si vous avez suivi ma vidéo récap des pièces, normalement, c'est les mêmes que je vais vous montrer. Bonsoir à toutes celles qui nous rejoignent. Hop. Donc, je vous montre tout ça. Et c'est parti. Donc, pour coudre ébène, nous avons besoin de plusieurs matières différentes. D'accord ? On avait, en premier, on a un coton imprimé qui va se trouver sur l'extérieur et l'intérieur de l'ouvrage. J'ai vu pas mal de questions ce matin concernant la doublure. La doublure se fait dans le même tissu. D'accord ? Donc, moi, je suis partie sur un kit et j'ai choisi ce tissu-là. Voilà, je vous ai fait un petit réassort de kit spécial replay. N'hésitez pas à aller voir si vous n'avez pas vos fournitures. Sinon, vous pouvez utiliser vos propres tissus, il n'y a pas de problème. Ok ? Donc, je vais vous dire à chaque fois le nom de la pièce et s'il fallait l'entoiler, dans quel tissu le découper. Faut-il centrer les motifs perles ? Pas forcément. Moi, je dirais, prends comme ça vient parce que comme tu ne sais pas ce qui va se mettre où, ça risque d'être compliqué. Alors, là, c'est la pièce D, d'accord? Donc, une fois tissu à motif et une fois entoilage. Donc, je vous montre, ça donne ceci. Donc, ça, c'est la pièce D et elle doit être entoilée,
Ok, donc entoilé si vous utilisez un coton imprimé comme moi avec de la H250. Et je vous dirai à la fin les pièces qu'on a besoin aujourd'hui. Nous avons le gabarit de la pièce H. Ok, celui-ci, on n'en a pas besoin pour l'instant, on le garde pour plus tard. Isabelle, elle dit, j'ai pris le même kit, il est trop beau, il est trop beau. Christine, c'est le même que tu as. Isabelle, est-ce qu'on peut utiliser de la mousse sur résine? Pas pour le live, Isabelle. Peut-être à la sortie du modèle, mais pour l'instant, je dirais non. Parce que sinon, ça va être trop compliqué pour moi de répondre à chacune si vous changez les entoilages. On a la pièce BZ, d'accord, qu'on doit couper 4 fois dans le tissu. Du coup, cette pièce, on en a besoin pour aujourd'hui, donc on le garde de côté. Hop. Alors, par quoi remplacer le décoville? Merci, je vais vous dire ça quand on arrivera à la pièce, ok? Ensuite, nous avons une pièce PA, 2 fois tissu à motif et 1 fois entoilage de tissu à motif. Donc, nous avons 2 pièces PA comme ceci, ok? L'entoilage résil, perle, on n'a pas besoin avant vendredi, il va arriver d'ici là, t'inquiète pas. Et on n'entoile qu'une pièce, vous voyez, j'ai une pièce entoilée et j'ai une pièce non entoilée. Et ça, j'en ai besoin, donc je les mets de côté, PA, c'est pour aujourd'hui. Jessica, bienvenue, t'inquiète pas, on commence à peine, c'est un récap, donc tu vas pouvoir rattraper. Sirène, elle demande, si on prend du velours côtelé, mais souple, devons-nous l'entoiler aussi? Le velours côtelé, Sirène, par quoi tu le remplaces? Si tu remplaces le lainage par du velours côtelé, ne l'entoile pas surtout. D'accord? Ça va Jessica? Je ne t'avais pas vue. Donc, il y a la pièce, ensuite H2, je vous l'ai dit dans le désordre, hein, d'accord? 2 fois tissu à motif, 2 fois entoilage de tissu à motif. Donc H2, on l'entoile 2 fois et ça c'est très très important, d'accord? Donc, vous ne gardez pas une pièce non entoilée, sinon vous allez avoir des problèmes. H2, je la mets de côté pour plus tard. Ensuite, on a D3, ok, qui est à découper 1 fois tissu à motif et 1 fois entoilage. Voilà. Donc ça, on se le met de côté aussi. Attendez, je vais baisser un peu la lumière parce que je me suis mis une lumière au-dessus de moi, mais elle me fait un peu mal aux yeux. Alors, comment? Si j'allume pas ma télécommande, je ne vais pas y arriver. Je baisse, j'arrive. Non, c'est pas ce bouton. Voilà, ça va aller mieux. Parce que là, j'avais très mal aux yeux. Alors... Et j'ai complètement éteint ma lumière. Voilà, c'est bon. J'espère que vous voyez quand même. Mais plus c'était compliqué. Ensuite, D1. Ici, d'accord. Alors attendez, j'ai vu une question. Sophie qui dit, je ne sais pas pourquoi, je pensais que ça commençait à 20h. Du coup, je suis à la bourre pour enfiler ta machine. Sophie, on n'a rien commencé à coudre. Donc, tu as du temps, on ne va pas coudre tout de suite. On a D1, il faut la couper 1 fois dans le tissu imprimé et 1 fois dans l'entoilage, d'accord? Donc, il faut l'entoiler. Hop, je vais continuer avec le tissu imprimé, après je changerai. Nous avons la pièce C qui a découpé 2 fois dans le tissu imprimé, d'accord? Chantal, elle demande le tissu à motif, peut-il être du tissu d'ameublement? Oui Chantal, mais à ce moment-là, tu entoiles avec de la G700 et surtout pas de la H250, sinon ça va être très 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 épais. Et la pièce C, vous voyez, il faut l'entoiler avec la pièce C'. D'accord, donc je vous montre ce que ça donne. Ça donne ceci au dos, vous devez placer en fait, je vous ai fait une vidéo récap, hein, vous la trouvez sur ma chaîne YouTube. La pièce C' au centre de la pièce C, au dos de la pièce. Donc ça vous donne à peu près ceci comme montage. D'accord? Attendez 2 minutes. Voilà, excusez-moi. Voilà. Je devais faire une petite modération. Du coup, ma pièce C, elle est comme ceci avec l'entoilage et j'ai dégarni les marges de couture. Alors, Valérie a dit, j'ai commandé le patron, je dois attendre le 11 décembre. Mais non, pas du tout. Valérie, tu as normalement les pièces. S'il y a un souci, n'hésite pas à écrire au SAV si tu as une question. Donc, ça, c'est la pièce C. On ne va pas s'en servir tout de suite. D'accord? Donc, on peut la mettre de côté. Ensuite, nous avons la pièce A, d'accord? Qui a découpé dans le tissu imprimé. Et de la même chose que la pièce C, on va venir entoiler la pièce A avec la pièce A'. Vous voyez? Et on va placer... La pièce A' entre les petits repères. Vous voyez, j'ai des repères ici. Hop, comme ceci.
mais au dos de la pièce. Donc, ça vous donne ça. Ok. Carole, vous avez un conseil sur le fil à utiliser? Alors, moi, Carole, j'utilise du Gutterman. Je te conseille d'utiliser du fil que tu as l'habitude d'utiliser, qui soit solide et de bonne qualité. Après, je n'ai pas spécialement de référence à te... Voilà, Gutterman, c'est un peu le haut de gamme du fil, mais il y a d'autres fils qui conviendront très bien. D'accord? Donc, on ne s'en sert pas tout de suite, donc on va la mettre de côté. Ensuite, nous avons pays. Ah, j'ai mon entourage qui s'en va, il va falloir que je retire mon col. Pays est à découper deux fois, d'accord? Est-ce que c'est grave, maîtresse? J'ai entoilé les deux PA, pas du tout, Vivi, il n'y a pas de problème. Aucun problème. Dans les kits, il y a deux styles d'entoilage, oui. Et les explications seront disponibles quand, Virginie? À partir du 11, effectivement. Parce que c'est un live mystère, je ne donne pas les explications avant, sinon vous allez savoir ce qu'on va faire. Donc, pays, il faut la découper deux fois. Une fois dans le coton uni, non entoilé, ça c'est important. Et une fois dans le coton imprimé, entoilé. Oh, pardon. Et pays, on va les mettre de côté parce qu'on va en avoir besoin. Voilà, donc ça, c'est pour aujourd'hui et demain. Ensuite, nous avons D2 ici. D2 est à découper une fois dans le tissu à motif et une fois dans l'entoilage du tissu à motif. D'accord? Et D2, je le mets derrière. Alors, Christine a dit, j'ai coupé mon patron pour l'envers et du coup, la pièce D1 et D2 sont à l'envers. C'est pas grave du tout, Christelle, parce que D1 et D2, en fait, elles sont en miroir. Donc, il n'y a aucun problème. Est-ce qu'on va utiliser le pied post-fermeture en premier pour monter sur ma machine? Non. Non, non, on va utiliser le pied normal. Et ensuite, on arrive à notre entoilage rigide. Donc, on a deux pièces F comme ceci, d'accord, à découper dans le simili-cuir et à entoiler avec la pièce F'. Je vous montre. En fait, il faut du coup placer F' au centre de F. Vous voyez, vous avez F ici et F' est plus petit. On a dégarni les marges de couture, c'est normal. Donc, le but est de placer F' comme ceci pour avoir la pièce à 1 cm de tous les côtés. Ok, et ça vous donne ceci. Donc, pour entoiler votre simili-cuir, surtout prenez votre temps et couvrez le simili avec une chute de coton, c'est important. D'accord? Voilà, donc mes deux pièces F, elles sont là. Donc, ça, c'est bon, c'est pas pour aujourd'hui. Et il nous reste deux pièces. La pièce H3. D'accord, qu'on va découper deux fois dans le tissu uni extérieur. Donc moi, j'ai choisi un lainage. C'est une nouvelle matière qui se trouve sur la boutique. Je vous la montre de plus près. Voilà. Si mon simili est épais, est-ce que je dois entoiler? Chris, il se tient beaucoup, beaucoup, t'as pas besoin. Camille, elle demande, est-ce qu'un pied roulette ou téflon est indispensable pour réaliser cet ouvrage? Non, c'est pas indispensable. C'est conseillé pour t'aider, mais c'est pas obligé. D'accord. Donc H3. Deux fois dans le tissu extérieur uni. Donc, il y a plusieurs matières différentes si vous travaillez sur un kit. Normalement, toi, je n'abîme pas le simili, Sophie, sauf si tu mets ta presse vraiment trop chaud et que tu mets de la vapeur. D'accord? Donc, moi, j'ai utilisé un lainage comme ceci. Vous pouvez utiliser aussi un velours contelé. Amandine, je te lis juste après, d'accord? Ça coucou l'aiguille de Sophie. Vous pouvez utiliser aussi de la toile à sac. Et qu'est-ce que j'avais mis d'autre? Je ne sais plus. Velours côtelé, toile à sac. Suédine aussi, certains kits. Alors, je regarde ta question. Amandine. Je suis un peu perdue pour l'extérieur au niveau des tissus. Est-ce que je peux prendre un jacquard à la place du lainage ou du velours côtelé? Tu peux prendre ce que tu veux, Amandine. Dans tous les cas, ce sera bien. Si tu utilises un velours côtelé, tu n'as pas besoin de l'entoiler, d'accord, sur les pièces H3. Si tu utilises un jacquard, s'il a un bon maintien, je pense que tu n'as pas besoin de l'entoiler. S'il est vraiment fluide et mou, à ce moment-là, entoile-le, mais avec de la G700. D'accord? Combien j'ai mis, Anne-Sophie, de degrés ma presse pour thermocoller mon simili? Je ne sais plus. Si on utilise du velours, faut-il l'entoiler, Catherine? Si tu utilises du velours sur les pièces qui s'appellent tissu extérieur uni, n'entoile surtout pas. D'accord? Mais même de manière générale, tu n'as pas besoin de l'entoiler. Sauf si c'est un velours très fluide et très mou, à ce moment-là, oui, mais avec de la G700. D'accord. Alors, le tissu gris est super doux. J'ai adoré la qualité du tissu. Merci, Dodinette. Eh ben, ça me fait plaisir, Marie-France. Et j'en profite, comme je suis en direct, pour distinguer l'endroit de l'envers du lainage. Vous voyez que l'endroit est un peu chiné. Il a des petits points. Et l'envers, il est uni et pas du tout lumineux. Vous voyez. Et puis, il n'est pas très joli. Il est moins lisse. Donc, ça, c'est l'envers. Et ça, c'est l'endroit. D'accord.
Pouvez-vous donner la pièce, la taille de BZ? Tout à fait, j'arrive. La taille de BZ. Alors attends, il faut que je retrouve. C'est une petite pièce. Je vais mesurer ça. C'est une petite pièce. Donc BZ, elle mesure 3,3, d'accord, en hauteur. N'oubliez pas de boire un coup, Virginie. Oui, t'inquiète pas, je bois un coup quand vous serez tourné, comme ça vous ne me verrez pas. 3,3, c'est un petit carré BZ, d'accord? Ok. Ah, génial. Sovia, elle dit, j'adore le lainage, ce sera une première pour moi, mais tu vas voir, cette matière est trop agréable à coudre. Sewing, elle nous dit, je crois que mon tissu laine est trop épais. Alors, s'il est très très épais, oui, tu vas avoir des soucis pour l'assemblage, c'est certain. Franca, suédine en toile, ça dépend sur quelle pièce. Si tu travailles sur la pièce F, Franca, entoile ta suédine. Pour le reste, pas du tout, ne l'entoile pas, ce sera trop épais. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur les tissus? Et sur les entoilages, ah oui, j'avais une question tout à l'heure. Ah, il me reste une pièce, excusez-moi. Et il y a H1 qui est ici, qui est aussi dans le tissu extérieur uni, donc le lainage. Ok? Il est là. Coucou Josette, j'espère que ça va et que tu es en train de vaincre ton petit virus qui t'embête. Comment reconnaît-on l'endroit de la pièce en coton uni? Eh bien, il n'y a pas vraiment d'endroit. Les deux faces vont très bien. Il n'y a pas de souci, tu n'as pas besoin de chercher. Si le lainage est bicolore dans les kits d'entoilage et le côté gris ou beige, l'endroit est le côté beige. D'accord? Vous regardez vraiment. Normalement, l'endroit est un peu chiné. Vous voyez? Il est avec des petits points. Tandis que l'autre côté, c'est un côté un peu comme un polaire, pas très joli. Ça, c'est l'envers. Ok? Après, pour découper H1, comme c'est, elle est en miroir avec H3, vous voyez, c'est la même pièce que j'ai mis en miroir. On peut très bien les faire correspondre. Peu importe le côté que vous coupez, ça conviendra dans tous les cas. Ah, Josette, elle a une petite tisane au miel. Elle a raison. Hop! Donc, voilà pour nos découpes. Est-ce que ça va ou est-ce que vous avez des questions? N'hésitez pas à me dire. Donc H3, on le met de côté aussi. On n'a pas besoin aujourd'hui. Et je vais vous faire un petit point. Ah, le lainage beige est superbe, Alissandrine. Bah, je suis contente. La G700 est-il un entoilage épais? Sophie, la G700 est un entoilage tissé. Je ne dirais pas qu'il est super épais. Un entoilage épais, c'est de la 66-16, d'accord? Ou du Decoville E-Lite. G700, ça reste quand même fluide. Donc, la question que j'avais tout à l'heure, je cherche ma pièce, voilà, c'est ici. Par quoi remplacer le Decoville E-Lite? Vous voyez que le but de cet entoilage, c'est que ce soit vraiment rigide. Si je tiens ma pièce, elle est très, très rigide. Sinon, ça ne va pas être très joli, votre modèle, une fois cousu. Du coup, je vous dirais, soit vous mettez du Decoville E-Lite, soit du 66-16, soit si vous n'en avez pas du tout, vous pouvez mettre de la H250. Ça conviendra quand même parce que c'est une petite taille. Donc, ça ira quand même. D'accord? Ah, Sandrine, elle explique tout. Il y a un R aussi. J'attendais. Le R est ici. Donc, c'est le renfort pression. Il y a marqué deux fois entoilage. Audrey, tout est OK. Eh bien, génial. Coucou. MC, ça va. La pièce F, deux fois entoilée pour les deux. Exactement, Isabelle. Donc, la pièce R, on va la couper tout de suite dans une petite chute. J'avais une petite chute, voilà, une petite chute restante de thermocollant, d'accord. On va la découper tout de suite, donc simplement, vous tracez le contour de la pièce et vous coupez. Je ne vous l'ai pas mis dans le plan de coupe, je me suis dit qu'on le ferait en live. Donc n'hésitez pas, vous pouvez choisir de mettre une pince ou pas. Si ce n'est pas hyper droit, on s'en fiche, c'est un renfort de pression, d'accord. Alors, Céline a dit, j'adore le coloris de mon kit, j'imagine un peu le résultat, j'ai une petite idée déjà, mais je garde le suspense. Oui, gardez le suspense, faut pas spoiler, c'est comme quand il y a une nouvelle série qui sort, il ne faut pas le dire si vous avez compris. Alors, on découpe ça, un petit ciseau, voilà, je vais le faire avec vous. En attendant, je lis vos questions, j'espère que tout le monde va bien, que j'ai pas perdu trop de gens en route. Hop là, donc R, on la découpe deux fois, d'accord. Quel entoilage pour R, Christine? Moi, je mets de la H250. Tu peux mettre ce qui traîne. Parce que je suis à la maison. Là, c'est une chute d'entoilage. Mais le but, ça va être vraiment juste de venir renforcer la pièce non entoilée quand on va mettre la pression. C'est tout. Ok? Est-ce qu'il y a d'autres questions? Donc, du coup, on a maintenant deux pièces R qui sont découpées.
Bon, je vois que tout va bien. Hop. Faut-il reporter le patron sur l'endroit de l'entoilage? On peut. On peut reporter sur l'endroit. Mettez pas côté colle parce que pour le coup, ça va pas trop marquer. Ok. Et sinon, vous avez la technique de flemme comme je fais. R n'en a besoin aujourd'hui d'ailleurs. Regardez-le. Moi, je mets mes pièces sur l'entoilage et je tire mon colle au fur et à mesure. Marie-France, est-ce qu'il reste encore des kits sur la boutique? Oui, Marie-France. Ah, je ramasse mon entoilage. Il reste des kits. J'ai fait un petit réassort. Et là, on est 4 jours mercredi. Donc, si vous commandez aujourd'hui, ça partira vendredi ou jeudi. Je ne sais plus si j'ai une levée. Alors, pour H1 et H3, peut-on mettre du simili? Tatiana, plus tard. Pas pour le live. Plus tard, quand le modèle sortira, tu pourras. Mais sinon, pas maintenant. Pour le live, j'aimerais mieux que vous ayez tous le même genre de tissu. Sinon, il va y avoir trop de questions différentes. Et surtout par rapport au réglage de la machine pour les épaisseurs. Ah, Sophie, elle dit quel bonheur de vivre ce live, d'être toutes et tous ensemble, mais trop bien. Combien de temps vous restez les lives, Brigitte? Ils vont tout le temps rester, il n'y a pas de problème. N'hésite pas. Si tu sais que tu couds dans 3 mois, c'est pas grave, il sera toujours là. Au pire, ce qui peut se produire, c'est qu'au bout d'un moment, je le passe en cachet sur YouTube, mais il sera toujours accessible depuis le patron, donc tu n'auras pas de problème. J'ai vu quelqu'un qui râlait, qui disait, ah non, ah oui, Béatrice, j'ai perdu R. C'est pas grave, Béatrice, parce que en vrai, BZ et R, ils font presque la même taille, regarde. Donc franchement, il y a un décalage de... Non, ils font la même taille, donc il n'y a pas de problème, tu peux prendre BZ. Isabelle a dit, c'est son premier live, et eh bien bienvenue. Voilà, et Jérémy Renoncé qui nous dit, vous pouvez trouver des kits disponibles. Donc lui, vous avez le droit de cliquer sur son lien parce qu'on le connaît. On le connaît parce que c'est Monsieur Dodinette, donc il n'y a pas de problème. On sait qu'il ne va pas nous mettre un lien farfelu. Allez, c'est bon pour vous. Donc par rapport au découpé entoilage, je vous répète que vous avez tout ici dans le doc. Je vous ai mis les plans de coupe, comment reconstituer le patron, tout ça, tout ça. Et si vous prenez le live en cours de route, d'accord, j'arrive, Marie-Thérèse, je vais expliquer ta question. Pas de problème, MC, vas-y. Si vous prenez le live en cours de route et que vous avez besoin d'aide pour l'entoilage, il y a une vidéo sur ma chaîne YouTube. D'accord? Bah Christelle, bienvenue sur ce live. Du coup, si vous galérez un peu au lieu de lire tout ça, allez voir directement, je vous ai fait une vidéo complète où je vous explique tout, tout, tout des découpes, comment assembler le patron. Enfin, vraiment, c'est très détaillé, donc n'hésitez pas à aller voir. Ah, Elisabeth a dit, premier live, moi j'adore. Eh bien, je suis très contente de te voir là, Elisabeth. Hop, et j'arrive, je dois remonter pour voir la question de, je crois que c'était Béatrice. Alors, Béatrice, elle demande sur quelle pièce je peux coudre mon handmade. Béatrice, attends, attends le montage du samedi. Tu comprendras mieux, d'accord? J'ai vu une question, j'ai loupé, je crois que c'était Marie-Thérèse. Qu'est-ce qu'elle disait? Il y a trop de messages, je ne vois plus. Marie-Thérèse, si tu peux retaper ton commentaire, je suis désolée. Parce que là, j'ai loupé. J'ai loupé, je ne trouve plus ta question. Ok, c'est bon pour tout le monde. Mais il y a beaucoup de premiers lives ce soir. Il y a Florine, il y a aussi Agnès. Bah bienvenue, j'espère que ça va vous plaire. Catherine a dit j'arrive, mais pas de problème, Catherine, prends ton temps. Du coup, on fait un petit point mercerie, bouclerie et après on y va. Je me suis fait une anti-sèche, hein, je vous avoue, et on va préparer certaines pièces. Quelle heure est-il? Ah, j'ai enlevé ma pendule. Oh, mais il est que 19h, on a plein de temps. Alors, j'ai une question sur l'ange, puis-je la faire moi-même? Céline, attends, je lis la fin de ta question. Est-ce qu'une fois l'ouvrage modifié, est-ce que l'ouvrage terminé, je pourrais modifier? Alors, Céline, si tu veux faire ta sangle toi-même, vas-y. Il faut que tu fasses une sangle de 3 cm de largeur, d'accord? Là, j'ai mis dans les kits 2,30 m, mais en réalité, on va couper la sangle en plusieurs morceaux. Donc, peut-être regarde ce live, vois les tailles de ce qu'on va faire et prépare ta sangle pour le prochain live. Là, je vais juste, on va préparer certaines pièces, mais on ne va pas coudre la sangle aujourd'hui. Donc, tu auras le temps de rattraper sans problème. Élodie, elle dit ce sera pour la semaine prochaine, mais il n'y a pas de problème. Premier live, elle dit Karine, génial. Et Rosen aussi. Eh bien, bienvenue. Combien il y aura de tailles, Julie? Il y aura 5 tailles et là, on coud la taille 1. Je ne vous dirai pas si la taille 1 est la plus grande ou la plus petite, ça vous donnerait trop d'informations. Mais là, on coud la taille 1, il y aura 5 tailles. Eh bien, bienvenue Sophie.
Ah, Land, elle arrive tout juste, et ben parfait. Premier live déjà fait, Raphaël en replay, dit Florence, et ben génial. Oui, alors, Marie-Thérèse, merci. Alors, j'ai été coupée, question, le tissu lainage. Alors, je ne comprends pas toute ta question, mais le tissu lainage, je te le montre. C'est ça, c'est une nouvelle matière que j'ai dans ma boutique, qui est juste trop canon à coudre et qui ira trop bien sur modèle ébène. D'accord? Donc moi j'en ai mis dans les kits, mais vous le trouvez aussi au mettre sur la boutique. Mais vous n'êtes pas obligé de coudre dans cette matière, vous pouvez changer un petit peu. Alors, Célia, sans rien trahir, est-ce que je peux prendre une sangle en 6 mm, car 6 mm difficile à coudre et les épaisseurs? Célia, si tu es habituée à coudre des accessoires, d'accord. C'est oui, je te lis après. Si tu es habituée à coudre des accessoires et que tu es très habituée aux épaisseurs, vas-y. Mais honnêtement, j'ai des testeuses qui ont pris de la sangle en 6 mm. Ça n'a pas été facile, facile. D'accord? Donc, si tu veux passer un live zen et facile, vas-y, prends autre chose que du 6 mm. Ok? Alors, j'ai pas vu la question. Je n'ai pas pu avoir de kit. Ils sont victimes de leur succès. Isabelle, j'en ai remis. N'hésite pas à aller voir. Ma fermeture fait que 2,5 en nylon, j'ai pas mieux, c'est wing, et ben c'est pas grave, prenez ce que vous avez et ça ira très bien. On fait un petit point de bouclerie maintenant, sans que je perde trop le fil. Alors, on a besoin, comme je disais, d'une sangle de 3 cm de large. J'ai mis 2,30 m, mais on va la couper, d'accord? Hop, je vois que vous papotez entre vous, donc c'est chouette. Je suis heureuse enfin de pouvoir participer à un live et c'est Célia, et ben bienvenue Célia. Ah, alors Fabienne, si ça coupe sans arrêt, ça doit être ton réseau parce que je pense que Adrienne, Ariane, pardon, Ariane, elle dit pourquoi le nom ébène. Alors je vais te dire ça. Pourquoi le nom ébène? Simplement, je donne toujours des prénoms à mes patrons et là j'avais envie de changer un petit peu. Alors ébène en comment vous expliquer ça? Ébène, c'est pas un prénom, d'accord? Le mot ébène a une signification qui est particulière, ça veut dire caillou. C'est-à-dire quel rapport entre un caillou et un modèle à coudre? Ça, c'est vrai. En fait, j'avais envie d'un ouvrage symbolique qui soit adressé à nos étoiles, aux personnes voilà, qui nous ont quittées, qui ne sont plus là. En tout cas, pour moi, ça a une résonance très particulière. Et dans certains rites de passage funéraire, d'accord? Ah, Josette a dit que ça coupe tout le temps. Est-ce que ça va pour le... Je suis en 5G quand même, normalement ça devrait aller. N'hésitez pas à me dire. Sinon, je peux activer le Wi-Fi. Non, donc certains rites funéraires, les gens posent un caillou sur une tombe. Et le fait de faire ça marque la filiation, d'accord? La filiation avec la personne qui repose là. Et du coup, j'avais envie d'un ouvrage qui marque la filiation, mais aussi qui soit dédié aux personnes qui nous manquent et qui ne sont plus là. Et je trouvais que c'était quand même très poétique. Donc voilà pourquoi Eben. Eben a une résonance pour moi, mais peut-être il en aura une pour vous, et je vous le souhaite. Et j'espère que ce modèle va vous plaire, parce que voilà, il a un petit nom un peu symbolique, et je trouve quand même assez chouette dans la symbolique voilà, du projet. Alors attendez, j'ai vu passer des questions en même temps. Peut-on remplacer la sangle par une en coton? Ce sera bon, pas de problème, Agnès, il n'y a pas de souci. Ok? Allez, je vous fais un récap maintenant, bouclerie, tout ça. Donc il va vous falloir. Une fermeture, donc moi j'ai mis cette fermeture, je l'ai mis sur la boutique tout à l'heure si elle vous intéresse. Donc c'est une fermeture en nylon, alors comme j'ai deux écrans c'est compliqué. Voilà, et qui est, on pourrait croire qu'elle est métallique mais elle est en plastique, enfin en plastique, c'est du nylon, c'est du polyester, d'accord? Et elle est un petit peu argentée, on dirait qu'elle a des dents en métal mais pas du tout, et elle est séparable. On ne va pas avoir besoin d'une fermeture séparable, c'est juste que pour rotation, je la trouvais jolie, voilà. Je la trouvais très jolie et je la trouvais même plus jolie que certaines fermetures non séparables. Donc, je suis partie sur ça avec plaisir, Karine. Et du coup, là, dans vos kits, elle fait 60 cm. On n'a pas besoin de 60 cm, d'accord? On va avoir besoin en réalité de 40 cm. Donc, on va la retailler. Dans le patron, je suis contente, Mac, que ça te plaise. Laurence, elle dit pas de souci de connexion. Ah, ça coupe aussi beaucoup ici à Nantes. Bon. Laline, Astrid, je suis contente que ça te plaise. Birdie aussi, et eh ben c'est cool. Donc du coup, je ne vous ai pas mis dans le patron une fermeture de 40 cm parce que je veux vraiment 40 cm utilisables. Je ne veux pas un curseur dans les 40 cm. Donc je vous ai mis 45. Mais en réalité, on aura besoin de 40 cm utilisables.
Ok? Si vous n'avez pas encore acheté votre fermeture, ne prenez pas une fermeture trop épaisse, genre grosse maille, vous savez, des fermetures moulées, ça va vous ajouter beaucoup d'épaisseur à coudre et c'est pas du tout une bonne idée. Merci Noël, merci à Ariane, ça me fait plaisir. Hop, j'ai la même dans mon kit, elle est super Delphine. Oui, elle est très belle et c'est pour ça que j'ai mis. Donc dans les kits, il y a eu deux types de fermetures, il y avait celle-ci. Et il y en avait une autre que j'ai préparée, mais je l'ai rangée. Celles des kits de Creative à Nantes sont aussi très très belles. Je vous la montrerai demain, parce que là, je ne l'ai pas sortie. Est-ce qu'on peut prendre une fermeture au mètre? Isabelle, sans problème. Il te faut 45 cm qu'on retaillera en 40. Si tu la coupes déjà, prends 40. D'accord? Idem en Vendée pour les coupures. Eh bien, je suis désolée. Oui, sans problème. J'ai l'impression que ça va quand même. Peut-être c'est votre... C'est votre réseau. Ah, Nathalie, elle dit, c'est vraiment bizarre, car après le décès de mon mari, je n'ai pas repris la couture, et le jour où je m'y remets, c'est pour coudre ébène. Eh ben, Nathalie, bienvenue, et je suis toute émue de ton petit commentaire, et j'espère que ébène va te faire du bien. Voilà, et voilà, symboliquement, c'est beau, bravo. Alors, trop contente de mon kit, eh ben, je suis contente, et envoyez des étoiles, Séverine, merci beaucoup. Ça défile très vite vos commentaires, j'ai du mal à suivre. Donc notre fermeture, on l'a ici, d'accord? Si vous voulez juste la fermeture, salut Hervé, ça va. Et que vous ne voulez pas un kit, je l'ai mis sur la boutique tout à l'heure. Parce qu'il m'en reste. Ensuite, bouclerie, il y a eu plusieurs boucleries différentes dans les kits, je m'en excuse. Mon fournisseur n'avait pas assez de boucleries toutes pareilles. Donc les mousquetons tournants, vous en avez sans doute des différents, d'accord? Marie, elle dit, j'ai enfin récupéré mon kit, il est magnifique, et ben super. Donc, ça va, Véronique? Alors, il vous faut deux mousquetons tournants, ok? Ce qui est important ici, c'est d'avoir un mousqueton de 3 cm, ici, au niveau de la partie là, d'accord? Partie droite, 3 cm, ok? Deux mousquetons tournants, il y en a des différents en fonction des kits et tout ça, peu importe le modèle que vous avez, même si vous avez fait votre shopping, le but est qu'ici, vous ayez vraiment, vraiment 3 cm, ça c'est très important. Ok, 2. Ensuite, nous avons 2 passants demi-ronds. Ok, pour 3 cm aussi ici. Merci Sandrine pour tes étoiles, c'est adorable. Sophie, elle est de Suisse aussi. Eh bien, vous êtes de plein de droits différents. Donc, passants demi-ronds, 2. 3 cm, d'accord. Ah, Joy, elle dit, moi aussi, larmes aux yeux, premier live, et j'ai mis un caillou sur la tombe de mon papy couturier il y a un an. Et ben voilà, ce sera pour lui aussi, Joy. On pense fort à lui aussi également. Alors, Christine aussi, on pense aussi à toi et à ton étoile. Et ben, dis donc, je pensais pas que j'allais éveiller tant de confidences. Donc, Léonie qui nous dit, elle reprend la couture suite au décès de son fils aussi, et ben... Bienvenue, et ben on va coudre ensemble notre petite ébène et on va poser notre caillou symbolique et ça va être vraiment chouette. Bienvenue et j'espère que ça va vous plaire. Alors, ils font 3,5 Virginie, s'ils font 3,5, ça ira quand même, ok? Attends, je vérifie ma taille moi. Ça ira quand même. Moi, ils font 3. On n'est pas à 0,5 près, vraiment, c'est pas grave, ok? Ensuite... Nous avons 2 passants de 3 cm, d'accord. 32 pour les demi-ronds, ça va aller, oui. Quand je dis 30, 30, 32, c'est pareil, d'accord. Donc, 2 passants, rectangle, 3 cm, 32 aussi, c'est pareil. Tout va bien. Ok, Christine, je t'embrasse aussi. Alors, il y a beaucoup de boucleries. Hein. On a 2 boucles de réglage en 3 cm, d'accord. Même chose, hein, toujours 3, tout est 3. Ébène en caillou, c'est quelle langue? Marianne, je crois que c'est en hébreu, quelque chose comme ça, c'est la contraction de deux mots. Je te redirai si tu veux, j'avais lu ça dans un livre et j'avais trouvé ça très beau. Coucou, j'ai pas eu le temps, Stéphanie, de quoi? De préparer? C'est pas grave, tu peux regarder ce... Reste avec nous. Sophie, c'est très mouvant, ça me touche beaucoup. Eh ben oui, moi aussi. Du coup... Si vous n'avez pas préparé vos pièces, regardez ce live, posez vos questions. On ne va pas coudre beaucoup aujourd'hui, donc vous aurez le temps de rattraper les replays jusqu'à demain, parce qu'on coud ensuite demain soir. Demain soir, 18h, par contre, on a un gros programme. Delphine, elle dit, c'est très beau ce qu'elle dit. Alors, une pensée alors à toutes nos étoiles. Ton papa pour toi, Delphine, et oui, à toutes nos étoiles.
Pareil, Flo qui dit que c'est pour sa maman. Eh ben, je suis contente que ce projet vous plaise. Alors, ces wings, elle dit, elles ne sont pas réglables, c'est Flix. Alors, si, il te faut un passant et une boucle de réglage. C'est important, sinon tu ne pourras pas régler. D'accord ? Les passants rectangles sont en plus des demi-ronds. Oui, Cynthia. Je vous remontre un de chaque, mais c'est deux de chaque. Un passant rectangle, un passant demi-rond, une boucle de réglage. Je ne vais pas avoir assez de doigts. Un mousqueton tournant. D'accord ? Et un fermoir magnétique. Ici. Ok, la taille que vous voulez avec ces petites rondelles derrière, ok. Et on va avoir un bouton en plastique, ok. Voilà, une pression en plastique à poser à la pince. Mais moi, comme on a Boin qui est partenaire du projet et que c'est le cadeau à gagner, je vais poser ça, mais je le ferai demain. Je vais poser les boutons magiques. Sans pince, j'ai jamais utilisé, donc on le fera ensemble demain, d'accord? Donc moi j'utiliserai ça, mais vous, vous pouvez tout à fait poser votre modèle à la pince, il n'y a pas de problème. Josiane a dit beaucoup d'étoiles pour nous tous, et oui. Et oui, et oui, et c'est pour ça que c'était important, je pense, de faire ce type de projet. Il vous reste dernière chose, une petite dernière chose, il vous manque le passepoil. Donc moi j'ai mis 40 cm, d'accord? On va passepoiler certaines pièces, vous ne serez pas obligé de le faire. Ok, donc pas de panique si vous détestez le passepoil, vous avez peur ou quoi que ce soit. On n'est pas obligé de le mettre. Je vous indiquerai les marges de couture et tout ça, il n'y a pas de problème. D'accord. Alors, Cynthia, si tu as un problème dans ton kit, fais-moi un mail à boutique@dodinette.com et je m'occupe de toi. Parce qu'en fait, sur ces kits, pour vous expliquer, il y avait un gros volume, je me suis fait aider. Et visiblement, bah, à l'aide, il y a eu des petits couacs. Pas beaucoup, hein. Sur le volume, pas beaucoup, mais voilà. Écrivez-moi et je résous le problème, je vous renvoie tout, il n'y a pas de souci. Florine, si le passepoil a été abîmé par l'élastique, repasse-le. Normalement, ça devrait se remettre. D'accord ? Si le passepoil il a un peu filé là, c'est pas grave parce qu'on va coudre vraiment ici. Sinon, écris-moi. Alors, je remets tout ça là-dedans et on va commencer à travailler un petit peu. D'accord ? Je vais, avant toute chose, brancher mon téléphone parce que je vois qu'il ne tient pas la charge et si vous n'avez pas de replay, vous ne serez pas content. Donc j'arrive tout de suite, je cherche un câble. Hop. Voilà, comme ça, je suis sûre parce que sinon ça va me stresser. Ah, mon chaise est assez grande, me revoici. Alors, un petit peu de branchement, c'est bon, c'est parti. Patricia dit j'adore le passepoil, j'ai découvert ça dans les premiers patrons d'Obdinette que j'ai fait. Et ben je suis contente. Alors moi j'adore le passepoil aussi, mais vraiment j'adore ça. Alors, un peu de rangement avec tout ceci pour éviter d'en mettre trop partout. Je vais tourner la caméra et on va s'occuper de nos premières pièces. Attendez, j'allume un peu la lumière pour là, que vous voyez bien tout. On branche le fer, Virginie, vous pouvez. Moi, je vais allumer ma presse, c'est une bonne idée. Merci de m'avoir fait penser à tout ça. Et donc, ce que je vais faire, comme je travaille... Mais non, Nicole, elle dit, je suis furieuse, je n'ai pas pu voir la vidéo dès le début. Nicole, il y a le replay et là, j'ai juste fait un récap, on n'a rien cousu. Donc, t'as rien loupé, c'est pas grave. Amandine, elle dit, le passepoil, c'est la vie. C'est vrai, le passepoil, c'est la vie et encore plus quand il est pailleté. Du coup, ce que je vais faire... Je vais baisser le téléphone, j'ai deux téléphones, un Facebook et un Instagram, donc du coup, il faut me laisser un peu de temps de m'installer. Je vais filmer mes mains, je vais vous montrer ce qu'on va faire. Par contre, à partir du moment où je vais passer comme ça, d'accord, Marinette, fais-moi un mail, ok? À partir du moment où je vais passer comme ça le téléphone, je ne vais plus voir vos commentaires. Donc je vous laisse entre les mains expertes de Claire, qui est là, de Julie, de Didine, de Jérémy et de Laetitia. Voilà, et n'hésitez pas, s'il reste des questions après ça, coucou Christine, je t'avais pas vu, s'il reste des questions après ça, groupe d'entraide, d'accord? Mais je remonterai le téléphone, on va se revoir. Hein. Donc hop, alors je vais essayer de faire ça correctement, c'est parti, donc je vais baisser d'abord Instagram, désolé, hop, voilà, donc je vais vous mettre comme ceci. Donc j'espère que je vais être en face parce que c'est la première fois que je travaille avec deux téléphones et je vous montrerai mon installation en backstage parce que ça vaut le coup de voir ça, c'est vraiment... Hop. Alors, est-ce que tout le monde voit bien mes mains? Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Hop. Voilà, donc je vais travailler ici. Donc déjà, je vais commencer par ranger mon bazar. Hop.
Voilà. Et on va sortir tout ça. Donc, je vais... On va avoir besoin d'une règle parce qu'on va mesurer des choses. On va avoir besoin d'une paire de ciseaux qui ne soit pas de couture. D'accord. Et je vais sortir ma petite anti-sèche qui est mon patron. Comme ça, hop. Alors, peut-être si ça vous va, comme moi ma presse elle est chaude, on va d'abord thermocoller nos pièces R, comme ça ce sera fait. Donc, je vais sortir tout ça. Je vais venir installer ma petite planche, enfin mon tapis. D'accord, j'espère que je suis en face. J'ai une Bernina de Sandrine, oui j'ai changé de machine, j'avais envie de renouveau. Et donc j'ai acheté une Bernina il y a quelques mois, j'en suis contente. Je bois un petit coup. Alors, on va commencer. On va prendre la pièce PI, d'accord? Et on va la mettre face à nous. Donc, il y a deux pièces PI. Il y a une pièce en coton non entoilé, d'accord? Et une pièce en coton entoilé. Donc, celle en coton entoilé, je la mets de côté pour plus tard. C'est pas celle-ci que je veux. Attendez, je vérifie mon anti-sèche, histoire de ne pas vous dire de bêtises. Alors, comme vous doutez, j'ai pas mal de pages dans mon tuto, donc je vais aller à la bonne. Parce que je me suis fait un petit récap, mais bien sûr, je n'ai pas suivi du tout le récap que je vous ai dit. Donc voilà. Attendez. C'est pas du tout ça que je voulais faire. Tac, je vérifie. Oui, c'est bon. Ok. Alors, c'est bien ce que je pensais. On va prendre la pièce PI, d'accord, qui est en coton non entoilé. On va la mettre face à nous. Donc, celle, la PI normale, entoilée, je la mets de côté pour demain. D'accord, je suis en train de voir que dans le fond, là, on voit tout mon bazar. Bah, tant pis. Et je vais venir reporter ici. Vous voyez, j'ai un placement d'un bouton pression mâle sur mon patron. Donc, je vais venir le reporter sur mon modèle. Sur ma pièce, d'accord, sur l'envers de ma pièce. Donc, il n'y a pas vraiment d'endroit d'envers. Pour chercher, vous regardez la partie la moins jolie, on va dire que c'est l'envers. Donc, je vais mettre là et je vais venir reporter le bouton pression. Donc, j'ai besoin d'un petit crayon. Bon, vraiment, j'avais sorti mes crayons, mais je ne les vois plus. Je vais les ranger. Voilà, donc j'ai un crayon ici et je vais venir d'abord trouer mon patron. Voilà, vous voyez, comme ça. Et je vais venir me mettre... Je vais enlever ça, vous verrez mieux la pièce quand même, parce que là, on ne voit pas trop. Je vais venir me mettre ici. Je vais mettre mon gabarit sur ma pièce. Hop. Normalement, elle est coupée correctement, donc on prend son temps. Et on va venir reporter le centre. D'accord? Est-ce que ça va pour tout le monde? Voilà. Donc là, vous voyez que j'ai normalement mon repère. Là, c'est au crayon bleu, ici. Et... je vais venir thermocoller un petit renfort. Donc, je remets ma petite planche et je viens chercher mon renfort. Donc, c'est ma pièce R. On l'a coupée tout à l'heure dans l'entoilage thermocollant. OK. On regarde la partie qui brille. La partie qui brille, ici, c'est celle qui a la colle. Hop. Je vais venir la mettre sur mon repère. Donc, je la sente à peu près. D'accord. Et je viens avec ma presse faire ce que je veux. Hop. Parce que mon fil est assez long. Oui. Et je viens thermocoller en place mon petit morceau. Alors, Pauline, on ne prend pas la pièce entoilée. D'accord? Parce que là, on rajoute un entoilage. Donc, ça n'a pas de sens de mettre ça sur la pièce entoilée. Donc, on prend la pièce sans entoilage. Voilà. Et vous voyez, moi, ma petite pièce doit rester en place. OK? Petite question. C'est le coton uni PI? Oui. PI, elle a deux. Il y a deux pièces. Il y en a une en coton entoilé, d'accord? Donc là, je n'ai pas besoin de mettre un entoilage, c'est déjà entoilé. Et j'en ai une en coton uni non entoilé, vous voyez. Et c'est là que je viens mettre mon renfort. Je n'ai pas besoin de mettre un renfort sur une pièce entoilée. D'ailleurs, tant que vous faites ça, moi je vais en profiter parce que je vois que mon entoilage ici, j'ai fait ça et ça s'est enlevé. Donc je vais en profiter pendant qu'on discute pour rentoiler un petit peu ma pièce PI. Ok. J'ai fait le repère avec le friction, il est parti. Ben Sandrine refait avec autre chose. C'est pas grave. Après, le repère là de placement, on n'en a pas besoin maintenant. D'accord? Ça, c'était juste pour placer ça. On remettra notre repère, t'inquiète pas. Demain, on assemblera ces pièces-là et du coup, on pourra faire ça demain.
Jocelyne, je te dis à demain. N'hésite pas à travailler en replay. Hop, voilà. Donc, je pense que mon entoilage est bon. Donc, pour pays, vous avez une pièce entoilée et une pièce avec le renfort. Et ça, je me le garde pour demain. D'accord? Ça, c'est pour mes petits... Hop, pour le live suivant. On va faire la même chose avec PA. PA, vous avez de la même manière, je vous montre la pièce comme ceci. D'accord? De la même manière, on va avoir un repère de placement. Et c'est pour le fermoir magnétique. Donc, on a une pièce entoilée. Ce n'est pas celle-ci que j'ai besoin. C'est la pièce non entoilée qui est fluide. D'accord? Vous avez deux pièces en coton imprimé. Donc, vous prenez la non entoilée. D'accord? Celle qui n'a pas du tout d'entoilage. Oui, Julie, j'ai vu qu'elle disait que c'était la presse Easy Press de chez Cricut. Effectivement, c'est ça que j'utilise. Même chose que tout à l'heure. Je viens retourner ma pièce. Je viens trouver mon patron au niveau du centre. Hop. Voilà, comme ceci, au niveau du rond central, ok. Je me mets au dos et c'est tout pareil. Je vais venir, hop, reporter ici le centre et placer ma pièce de renfort. Donc, je cherche la partie brillante. Il est trop beau ce tissu. Et ben merci beaucoup Stéphanie. Et je mets à peu près dessus. Voilà, et je thermocolle. C'est tout. Ça va. J'ai vu passer une question sur le patron, c'est Séverine. Séverine, n'hésite pas à rejoindre le groupe d'entraide, il y a plein d'astuces pour imprimer correctement ton patron. Voilà, hop, le groupe d'entraide, c'est coudre le live Mystère Ébène de Dodinette. Je ne veux pas acheter le patron normal ou souci. Non, Hélène, normalement, tu peux acheter le patron sur boutique.dodinette.com. Alors, j'ai vu qu'il y avait certaines personnes qui ont des soucis de règlement, d'accord, en carte bleue, je ne sais pas pourquoi. Donc, si c'est ton cas... n'hésite pas à préparer ta commande, tu la passes en choisissant virement bancaire et ensuite tu me fais un petit mail et moi, avec ton numéro de commande, je t'envoie un lien de paiement. Il y a des gens qui ont des soucis pour payer, notamment les Belges. Quel est le tapis de repassage, Anne, c'est un tapis Cricut. Voilà, c'est ça, c'est un tapis qui va avec la presse. Ton tapis à repasser, je l'ai eu, Ophélie, eh ben, je l'ai eu chez Cricut ou chez Creative Deco qui aussi distribue Cricut. Voilà. Donc, PA, on a bien une pièce entoilée, ok, et une pièce non entoilée avec maintenant notre renfort, voilà, comme c'est blanc, voilà, ici. Ok? Ça va pour vous? Tu dis trois pays, mais il n'y en a que deux pour le, sur le petit patron. Oui, Coralie, il y a deux pays. J'ai dit trois. Ah, si j'ai dit trois, j'ai fait des bêtises. Patricia, pas de souci pour le retard, on n'a pas comment, on n'a pas fait grand-chose, donc tu pourras rattraper ces pièces en replay, il n'y a pas de problème. Ok? Donc ça c'est bon, je me le garde pour demain. Et il va nous rester deux choses à faire aujourd'hui. C'est quoi la différence avec la petite... Alors, entre la petite presse et le petit fer prime? Je t'explique. Le petit fer prime, je l'aime beaucoup, mais il a un défaut, il ne s'éteint pas. D'accord? On est obligé de le débrancher. La petite presse, j'aime beaucoup parce que déjà elle passe en veille toute seule. Si j'oublie de l'éteindre, elle va sonner et s'éteindre et je peux l'éteindre. Et du coup, je trouve ça pratique et elle a un petit support. La différence, dans le petit fer prime, tu peux mettre de l'eau, donc faire de la vapeur, avec la presse, pas du tout. Voilà les différences. Ah, c'est Wing, j'ai dit 3. Eh ben, désolée si j'ai fourché. Hop. Donc, PA, c'est bon. Ok. Est-ce que ça va pour tout le monde? Je vous attends, dites-moi. 3 pays, car un thermocollant en plus. Ah, peut-être. 3 pièces pays, parce qu'il y a un thermocollant, peut-être. Est-ce que ça va pour tout le monde? J'ai entoilé 2 pièces PA, faut-il recouper une pièce PA? Barca, ça dépend des tissus que tu as utilisés, mais si c'est du coton, non, ne recoupe pas, c'est pas grave, on fera avec. Par contre, ne rajoute pas de renfort, s'il y a déjà un entoilage. Coucou Carole qui nous rejoint. J'ai un souci, je voulais savoir ce que je fais avec la doublure bleue. Marianne, yes, si tu travailles sur un kit, ton tissu uni est à couper une fois dans le pays. Voilà, si c'est ta question. Voilà. Hélène, elle nous dit qu'elle a acheté une presse Élan d'occasion qui est top. Les presses, c'est chouette pour l'entoilage. Vraiment, c'est chouette. Ok pour moi, dit Catherine. Sandrine, parfait. Florine, ok pour moi. Bien, super, je vous attends. Je bois un petit coup pendant ce temps-là. Et là, il nous reste deux choses à faire pour ce soir.
on va préparer notre fermeture. Je vais, bah, du coup, vous pouvez éteindre votre fer parce que pour le coup, on n'en a plus besoin. Ça va impec, Maryse, et ben super. Et on va donc préparer notre fermeture et préparer notre sangle. Donc moi, je vous propose, on va commencer à faire la fermeture pour se chauffer un peu. On va allumer notre machine, du coup. Et on va venir chercher notre fermeture ici. Donc, notre fermeture, ok, on a besoin de 40 cm utilisables. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est de ne couper pas votre fermeture tout de suite. Moi, ça va toujours, je les coupe encore, elle dit Martine. Ben, tu n'es pas obligé de tout découper, Martine, parce qu'on n'utilise pas toutes les pièces aujourd'hui. Donc notre fermeture, ce que je vous propose, avant de la couper, on va coudre les pièces qui nous intéressent, d'accord? Donc, ce qu'on fait, moi j'ai une très grande fermeture, on va venir avec une règle et un crayon, et on va venir marquer notre fermeture là où ça nous intéresse, ok? Alors, attendez, je prends mon anti-sèche, je vérifie juste la taille. Normalement, j'ai révisé tout à l'heure, et ma fermeture, elle doit faire 40, mais je vais quand même ouvrir mon tuto, d'accord? Pour vérifier, je vais page 35. Oui, il y a pas mal de pages dans ce tuto aussi. Alors, mais c'est parce que c'est très détaillé, c'est pour ça. Donc, je ne monte pas du tout le modèle dans l'ordre. Hein. C'est exprès pour ne pas vous donner trop d'indices. Donc, pour la taille 1, il faut 40 cm. D'accord? Donc, ce que je vous conseille, vous pouvez soit partir du début, soit marquer plus loin. Vous faites comme vous voulez. Moi, je vais partir du début. Et je vais venir mesurer 40 cm. Donc, n'hésitez pas à me dire si vous voulez que je zoome un peu plus. Normalement, j'avais pris un feutre bleu pour qu'il se voit, mais je vais peut-être en prendre un rose, du coup. Non, lui, il n'est pas rose. Du bleu, peut-être. Ça se verra mieux sur la fermeture noire. Est-ce que la fermeture doit être de la même couleur que le tissu à motif? Elle demande Sandrine. On n'est pas obligé. On n'est pas obligé. Il faudrait qu'elle aille avec les deux tissus, mais tu vois, celle-ci, souvent, on trouve des fermetures noires. Donc, je vous ai mis ça dans les kits parce que ça va à peu près avec tout. Alors, je me suis marqué ici, je ne sais pas si vous voyez, je mets la lumière, un repère au début de ma fermeture, ok? Et je vais venir mesurer 40 cm. Donc, je me mets au début du repère, j'aligne. On n'est pas à un millimètre près, hein, qu'on soit d'accord. Hein. Et je mesure 40 cm. Et peut-être je suis hors champ, non, ça va. Donc, je me fais un repère de chaque côté. Je vais vous montrer. Hop, voilà. Voilà. Donc, ça donne ça ici. D'accord? J'ai mis un repère de début et 40 cm, j'arrive ici. Je ne sais pas si vous voyez trop parce que c'est un petit peu la nuit quand même. Ça va? Je peux vous remontrer, Sandrine, bien sûr. Alors, je me mets un repère au début de la fermeture. Ok, au début, pas tout au début, hein, là où l'écran commence. Si je ferme ma fermeture, je regarde là où elle s'arrête. Cette partie-là ne m'intéresse pas, elle ne compte pas pour la fermeture, parce qu'il n'y a pas de zip à cet endroit. D'accord? Christelle, le patron coûte 4,10€. Il est sur boutique.dosinette.com. Est-ce que je peux utiliser une fermeture séparable ou pas? Tu peux, clean. Par contre, nous, on ne va pas la séparer dans notre modèle une fois cousue. Par contre, c'est une fermeture au mètre, Hélène. Moi, non, mais tu peux utiliser une fermeture au mètre. Tu vois, moi, c'est une fermeture séparable, mais tu peux utiliser une fermeture au mètre. Je vous montre ce que je vous déconseille d'utiliser. Je vais en chercher une. Si vous avez vraiment que ça, prenez ça, mais sachez que ce sera moins facile. Je vous montre, hop, parce que c'est juste là. Voilà. Ce que je vous déconseille d'utiliser, c'est une fermeture comme ceci, avec des grosses mailles moulées. D'accord? Ça va vous rajouter beaucoup d'épaisseur. À la couture, c'est pas conseillé. Après, ça se fait, mais sachez que ça va pas vous faciliter la tâche. Marie-Laure, à demain. Donc, du coup, une fois que j'ai marqué là mon repère, je viens mesurer à plat. Oui, Sophie, est-ce qu'il y a un pack additionnel sur le patron? Il y en aura un, effectivement, mais il n'est pas sorti encore. Et je viens mesurer ici 40 cm, d'accord? Entre mon premier repère et le deuxième, je veux 40. Est-ce que ça va pour tout le monde? Je n'ai pas reçu ma fermeture, la ligne. Eh bien, si tu m'as envoyé un mail et que je te l'ai déjà renvoyé, elle doit être en route. Sinon, fais-moi un mail. Là, on prépare la fermeture, d'accord? Mais on ne va pas la coudre avant vendredi. Donc, tu as un peu de temps. Une fois que j'ai fait ça, je viens chercher mes pièces BZ. D'accord? Alors, je vous les montre. Si vous avez un sens de motif, essayez de le respecter. Moi, vous voyez que je n'ai pas vraiment
de sens de motif. Ici, c'est un peu... voilà, donc c'est pas grave. Sophie a dit trop bien, j'adore les packs additionnels. Bah, tu vas voir que tu vas te régaler, je pense. Du coup, je prends une pièce. Je vous mets la pièce pour voir le droit fil. Ok, s'il y a un sens de motif, respectez-le ici. Et je vais venir sur mon repère de fin. Je vais venir mettre, je vous montre ma pièce. Vous voyez, j'ai mon repère là de fin. Je viens mettre ma pièce à ras, comme ça. Et je la mets endroit contre endroit, comme ceci. D'accord? Et je viens mettre des pinces. Donc, je vous montre, ma pièce, elle est là. J'ai mon repère à 40 cm de fin. Et je viens aligner le bord de ma pièce sur le repère. Je prends des petites pinces. J'en ai ici. Pour maintenir ma pièce en place. J'essaye de faire quelque chose de droit ici. D'accord? Vous voyez que mon repère, il était là. Je ne sais pas si vous voyez bien parce que je vais essayer de vous zoomer un petit peu sur Facebook. En tout cas, Instagram, j'ai l'impression qu'on me voit bien. Voilà, vous voyez mon repère, il était ici et j'aligne la pièce. Donc la pièce, elle est vers l'intérieur de la partie que je garde, de la fermeture. Hein. D'accord? Je garde cette partie. Elle n'est pas sur la partie que je ne garde pas. Donc elle est alignée au bord vers l'intérieur de la partie à garder. Ok? Alors, de l'autre côté, je vais venir ouvrir ma fermeture. Ok? Je peux mettre éventuellement une petite pince pour maintenir l'extrémité en place. Voilà. Hop. Bienvenue Alexandra qui nous rejoint. D'accord. Ici, vous pouvez vous mettre une épingle si vous voulez que ça reste bien fermé. Et même chose que tout à l'heure, ici sur le repère, je vais venir prendre ma pièce BZ et je vais venir la mettre endroit contre endroit sur l'extrémité de la fermeture. Comme ceci, en gardant la fermeture fermée. Si vous avez un sens de motif, je vous montre le sens du motif. Vous devez avoir ce motif dans le même sens. D'accord? Voilà. Jennifer, elle dit un patron d'Odinette sans pack additionnel, c'est pas un vrai patron d'Odinette. Elle a raison. Hop, du coup, je place mes pinces. Donc là, c'est le début de la fermeture qui n'a pas de zip. D'accord? Donc ça ne m'intéresse pas. Ok. Hop, et je place mes pinces. Bonjour Christine, bienvenue. Hop, voilà. Donc là, j'ai ma fermeture qui est prête à être cousue. Donc je vous remontre, je suis au début. Comme ceci, donc j'ai la pièce endroit contre endroit sur le début de fermeture, d'accord, c'est bien 40 cm, oui c'est wing, et à l'extrémité où j'ai mon 40 cm, ça je vais le couper après, j'aligne la pièce endroit contre endroit en alignant bien le bord sur le repère, d'accord. Alexandra, ne t'inquiète pas, on ne fait pas grand chose aujourd'hui, donc tu pourras regarder tranquille le replay, c'est à partir de demain qu'on va coudre un peu plus intensivement, donc tu auras largement rattrapé, t'inquiète pas. Hop, du coup, maintenant on va coudre un petit peu. Donc, on va passer sur la machine. On garde les deux pièces BZ de côté, d'accord. On va s'en servir juste après. Christine elle regardera en replay aussi. Alors, je vais tirer ma machine. J'espère que je suis en face du champ, on dirait. Et donc, je vais venir travailler sur l'extrémité de la fermeture ici, d'accord. Ça, c'est la partie que je garde pas. Là, vous voyez, puisque ça, je l'enlève. Donc là, c'est la partie que je garde et mon repère est ici, d'accord? Alors moi, je filme en miroir, c'est peut-être pas facile pour vous. Alors, ma machine, je vais la régler, je vais allonger un peu le point, je vais me mettre à 3, d'accord? Et je vais venir coudre au point droit, au ras, vous voyez, j'ai mon repère ici, à 0,5 cm du repère, ok? Allez, on y va. Donc, je place. Alors, moi, je ne suis pas trop en face de la machine. J'espère que vous, ce sera mieux. Et je vais décaler mon aiguille pour coudre. En fait, la couture qu'on va faire, c'est une couture de maintien. Elle va disparaître par la suite. Donc, si vous n'êtes pas pile poil à 0,5, ce n'est pas grave. Hein. C'est juste une petite couture de maintien. Donc là, on va venir coudre et on va traverser les dents de la fermeture. Donc, si vous avez une fermeture qui a des grosses dents, prenez votre temps. Allez-y doucement. Et quand vous passez sur les dents, allez vraiment doucement et au pire vous utilisez le bras libre de votre machine, pas le bras libre, le volant sur le côté, je vous dézoome un peu sur Facebook, voilà, le volant ici, vous en servez pour passer manuellement dessus si besoin. Ok, alors on va y aller. Pour l'aiguille, je vous avais mis un petit message, une aiguille de 90, ce sera très bien. Donc on va se faire un petit point avant-arrière, sécuriser notre couture et on y va doucement. Attendez, parce que j'ai l'impression que je n'avance pas. C'est bon, voilà. J'avais ma pince qui accrochait.
Et sur cette fermeture, j'ai pas de problème pour passer dans le zip. Si vous savez pas, prenez votre temps. D'accord ? Elodie, les cousettes souhaiteraient connaître le modèle de ma machine à coudre Bernina. C'est la B480. Je l'ai prise chez Coudre et Broder il y a un petit moment. Cet été, je crois. Hop. Merci, Julie. Du coup, une fois que j'ai fait ça, je fais mon petit point avant arrière et je coupe mon fil. Voilà, donc j'obtiens ceci, d'accord. Cette couture va disparaître par la suite. On est en train de créer un coin de propreté. Et je couperai ma fermeture juste après. Est-ce que c'est bon pour votre première petite pièce BZ? Donc ça, c'est la partie que je ne vais pas garder, d'accord. La partie que je garde est ici. Est-ce que c'est bon pour vous? On peut continuer ou vous avez des questions? Dites-moi, ça a l'air d'aller. C'est Wing, du coup, avec son pied téflon, ben, t'as raison. Il faut toujours coudre avec ce qu'on est le plus à l'aise. Pour l'autre côté, c'est la même chose. Mais attention, je maintiens ma fermeture fermée. D'accord. Et je viens coudre à 0,5 cm du bord extérieur de la fermeture. Donc, sur l'intérieur de la pièce BZ. C'est bon. Catherine, Cathy, Aurélie, Sandrine, ok. Si vous avez une grosse fermeture, prenez votre temps. Hein. Ce n'est pas des étapes... Vous pourrez finir tranquille en replay. On ne fait pas grand-chose ce soir. Je fais la même chose de l'autre côté et mon but est quand même que la fermeture reste fermée. Donc, je maintiens un petit peu ici. D'accord? Je vous zoome un peu Facebook. Je suis plus désolée Instagram. Je ne peux pas trop vous zoomer parce que j'ai deux téléphones face à moi. Et si je vous décale, j'arrive sur l'autre. Tout va bien Géraldine, Heidi, ok. Moi, j'ai du mal à passer la fermeture. Séverine, bah, prends ton temps. Là, ce qu'on est en train de faire, on est en train de créer un coin de propreté pour éliminer l'épaisseur sur le bord de l'ouvrage. Donc, une fois qu'on aura fait ça, ce sera plus facile d'assembler notre fermeture. Virginie, quelle est la dimension de BZ? Je crois que c'était 3,3. Je vérifie ça. Oui, 3,3. Comme ça, en hauteur et en largeur, parce que c'est un carré. Ok, ça va pour tout le monde. Claire, elle vous met le lien de la Bernina. Alors, hop, on y va. Va tranquillement. J'essaye de garder ma fermeture fermée et je retire ma pince. J'essaye de rester droit. J'essaye de faire plein de choses en fait, mais comme je vous parle en même temps, ce sera mieux vous que moi. Hop. Si jamais... Attendez, parce que je ne veux pas reculer avec l'épaisseur. Si jamais votre fermeture, elle a un gros cran en métal ici et que quand vous piquez à 0,5, vous tombez dedans, décalez un petit peu, hein, d'accord? Piquez à l'intérieur. Ah, Stéphanie, une image figée. Est-ce que tout va bien? Aiguille cassée, Karine, prends ton temps. Donc, j'obtiens ceci. Ok, c'est bon pour vous. Je vais vous attendre. Alors, Isabelle, merci d'avoir remis des kits. Tu viens de commander le mien, j'ai hâte. Eh bien, je vais m'occuper de toi dès demain. Il n'y a pas de souci. Oui, les kits, je suis désolée, il y en a beaucoup qui voulaient le commander. Et comme c'est un modèle, en fait, fait main, c'est-à-dire que chaque tissu est coupé à la main, etc. Je ne pouvais pas vous remettre de stock tout de suite. Je voulais être sûre de pouvoir servir mes précommandes. Tout va bien, sortez et revenez. Oui, j'ai passé le parti dur à la main. Mima, pas de problème, très bien. Tout va bien, Didine. Ah, Didine, elle coud, hein, est belle encore. Didine, elle a cousu toutes les tailles. Alors, coucou Carole. Petite question, je serais à savoir quand vous allez mettre les inscriptions pour les salons créatifs d'Orléans. Oui, alors Carole, elle va venir à Orléans en février. Je viens à Orléans, mais je n'ai pas encore le planning. Dès que je l'ai, je vous dis. Pour l'instant, je ne l'ai pas. Les inscriptions vont se passer sur mon site. Ça a tapé sur la partie en métal derrière. Elle n'a pas aimé la machine. Oui, mais dès que j'ai dit, n'hésite pas à décaler si c'est trop compliqué. Du coup, on aura plus de 40 cm de zip. Oui, exactement, Anne, parce qu'on a le zip. D'accord. Et ensuite, on aura ça. Le zip, c'est marge de couture comprise. D'accord. 40 cm. Tout va bien, Gwen. Ok. Donc, une fois que j'ai fait ça, ici, je peux venir couper l'extrémité, là, qui va me gêner. Donc, je prends un ciseau qui n'est pas pour la couture. Et avant ça, oui, vérifiez bien que votre fermeture, elle coulisse correctement, d'accord? Entre les deux pièces, ça c'est important. Voilà, vous devez pouvoir coulisser entre les deux petites pièces qu'on vient de mettre. Attendez, Facebook, je vous dézoome. Voilà, c'est important, il faut que la fermeture coulisse, d'accord? Si elle coulisse pas bien, n'hésitez pas à remettre des coudres, remettre bien si vous avez fait un petit quelque chose ici. Non, Marie, c'est pas grave du tout. Ça fait 40 cm entre les deux extrémités. De BZ, exactement. Ah, Julie, elle dit cool, je suis d'Orléans. Je cool pour Orléans, j'aimerais vous voir, mais avec plaisir. C'est bon pour vous? On avance?
Est-ce que vous venez au salon de Montpellier, Ninou? Non, je suis désolée. En fait, on m'a proposé beaucoup de salons cette année et j'ai décidé d'en prendre que 4 parce que c'est beaucoup, beaucoup de préparatifs, de kits et de fatigue sur place. Du coup, je préfère pas en prendre trop. Donc, le dernier de 2024 va être Orléans. D'accord? Et après, ce sera septembre de l'année prochaine. On y va? Donc, une fois qu'on a fait ça et que notre fermeture coulisse correctement, d'accord, on va venir couper la partie de la fermeture qui dépasse de la pièce BZ. Donc, on prend un ciseau pas de couture. Moi, j'ai que ça. Je reviens. Je vais chercher un ciseau pas de couture parce que j'ai pas envie de l'abîmer sur mon zip. Hop, j'arrive. Du coup, parce que mes ciseaux, ils se ressemblent, hein, mais beau, hein. Et ça, c'est le pas couture. Et ça, c'est le couture. Il est juste un peu plus grand. Voilà. Donc, ça, c'est pas couture. Je viens couper l'extrémité de ma fermeture. Attention à vos ciseaux. S'il y a une partie métallique, ne coupez pas dedans. OK? Parce qu'après, on va coudre à 1 cm. Donc, on va venir coudre encore plus loin. Donc, ça, c'est le début. Et je vais jusqu'au prochain, ici. Et là, j'élimine la partie au-delà. Donc, pour récapituler avant de couper, entre le bord de la pièce BZ et l'autre extrémité de la pièce BZ, ici, j'ai 40 cm. D'accord? Ensuite, je coupe ma fermeture. Vous vérifiez bien que vous avez ce qu'il faut. OK? Donc, ça vous donne une fermeture quand même plus petite et qui est très mignonne. Héloïse, bienvenue. Oui, tu verras le replay. Il n'y a pas de problème. Hop! Virginie, c'est quand Orléans? C'est début février. Voilà. Alors, j'essaie de ne pas mettre mon bazar partout. Une fois qu'on a fait ça, on va venir tourner notre fermeture, d'accord? Et on va venir faire exactement la même chose. Ah oui, ça s'écarte un peu ma fermeture. Donc ici, j'ai mis ma pièce BZ. Et je vais venir en mettre une autre de l'autre côté. D'accord? Donc ça, c'est sur l'envers de la fermeture. Je viens mettre une autre pièce BZ exactement sur l'autre pour prendre le bord de la fermeture en sandwich. Vous voyez, j'étais comme ça. J'avais fait ça. Hop, ici. Et je viens là mettre la pièce ici. OK? Et je mets des petites pinces. Est-ce que ça va pour tout le monde? Hop. Pourquoi on a fait une couture à 0,5 tout à l'heure? C'est pour que la pièce ici ne bouge pas. Ça va nous faciliter l'assemblage. OK, alors, voilà. Ici. Et je fais la même chose ici. Arlette, elle dit, je découpe mes tissus en vous écoutant, je serai prête pour demain. Eh bien, super Arlette. Voilà, et on n'hésite pas à couper les petits fils qui dépassent que j'ai pas. Et voilà. Ça va pour vous le placement? Ça va? Oui, je vois des oui, très bien, des pouces, ça a l'air d'aller. Instagram, est-ce que ça va? Oui, parfait. Et je fais la même chose, vous voyez, sur l'autre extrémité, j'étais comme ceci. Donc je garde ma pièce endroit contre endroit. Je veux voir l'extrémité de la fermeture et je viens mettre une pièce BZ. J'essaye, autant que faire se peut, d'avoir. Mais là, on est à l'intérieur, donc c'est pas grave. D'accord? Les pièces dans le même sens, s'il y a un sens de motif. D'accord? Merci Claire, elle dit le salon d'Orléans est du 3 au 5 février. Donc une fois que j'ai fait ça, je place des pinces aussi pour maintenir l'extrémité en place. D'accord? Et je vais faire exactement les mêmes coutures, mais cette fois-ci à 1 cm. Roselyne a dit impeccable, et bien génial. Hop! Ça va Corinne sur Insta, parfait. C'est bon pour tout le monde? Alors, une fois qu'on a fait ça, je vous montre les pièces. J'ai l'extrémité de la fermeture qui est prise en sandwich entre deux pièces qui sont endroit contre endroit. OK? Et je viens faire exactement la même chose. Si vous voulez vous aider, vous pouvez vous remettre du côté que vous avez déjà cousu si vous voulez voir la couture. Sinon, vous pouvez mettre de ce côté, c'est comme vous voulez. Et cette fois, on ne va pas coudre à 0,5, mais on va coudre à 1 cm. Entre les deux coutures BZ, il reste 39 et pas 40. Oui. Entre les deux coutures. Il reste 39 parce qu'on a mis 0,5 de chaque côté. D'accord? Mais le plus important, c'est de regarder ici. L'extrémité à extrémité, vous avez 40 cm. D'accord? Oui, Aurore, il n'y a pas de problème. Vous pouvez regarder le replay quand vous voulez. Donc, je viens décaler mon aiguille pour coudre à 1 cette fois-ci. Et même chose, si vous avez cassé votre aiguille tout à l'heure en passant dans la maille, surtout prenez votre temps. Alors, Christiane, elle est perdue. Je te montre, Christiane, ce qu'on a fait. Je vais enlever ma pièce. D'accord? Donc, tout à l'heure, on a tracé un repère au début de la fermeture et on a mis la pièce, je te montre, BZ,
D'accord. On l'a aligné sur l'extrémité. Tu vois, ma fermeture, elle s'ouvre ici. Et on l'a aligné endroit contre endroit. Comme ceci, on a mis des pinces. Ensuite, on est venu faire une couture de maintien à 0,5 cm du bord ici. C'est juste une petite couture pour que ça tienne en place. Et une fois que tu as fait ça, tu vois, on voit que quand on rabat la pièce, on a l'endroit face à nous. D'accord. Du coup, une fois qu'on a fait cette couture, si tu es trop en retard, prends ton temps et tu feras en replay. Une fois que tu as fait cette couture, si tu es à ce moment-là, donc là, c'est l'endroit de ma fermeture. Je me place sur l'envers de ma fermeture. Tu vois, j'ai l'envers du curseur ici. Et je prends ma pièce BZ restante, d'accord? Et je viens la mettre sur l'extrémité ici, endroit contre endroit. Donc, je la mets comme ceci. Elle est là, d'accord? Donc, je la mets comme ceci. Et je mets des pinces. Mon but est de venir prendre l'extrémité de la fermeture en sandwich entre les deux pièces. Tu vois, si j'écarte, j'ai l'endroit de la pièce ici et ici, j'ai l'endroit de la pièce aussi. D'accord? Et une fois qu'on a fait ça, on va le faire ensemble maintenant. On va venir coudre. Tu vois, on voit la couture qu'on a fait tout à l'heure. On va venir coudre à 1 cm du bord ici. D'accord? Et donc, cette couture va disparaître. Est-ce que c'est mieux pour tout le monde? Vicky, elle dit, c'est trop joli les coins de propreté, j'adore. Eh bien, super. Voilà, j'espère que c'est mieux. Sinon, s'il reste des questions, n'hésite pas à regarder le replay que je vais activer après. Et tu fais en même temps que moi, tu mets pause et tu vas rattraper, il n'y a pas de problème. Ce ne sont pas des étapes difficiles. Alors, une fois que j'ai fait ça ici, je vais venir coudre à 1 cm. Bah, avec plaisir, Catherine, elle dit merci pour ses explications, il n'y a pas de problème. Je préfère répéter. Hop, ici, j'ai placé mon pied et j'ai décalé mon aiguille, d'accord? Si vous avez du mal à passer dans les dents tout à l'heure, allongez votre poing. Donc, je me fais un petit point avant-arrière pour sécuriser ma couture. Et je vais tout droit, tranquillement. Je prends mon temps. Si la fermeture est trop grosse, je fais manuellement, d'accord? Hop, et je vais jusqu'au bout. Et au bout, avant de descendre, j'essaye de faire un petit point arrière parce que ma machine, tout à l'heure, elle a eu du mal à remonter. Et je coupe. Du coup, j'obtiens ceci. Donc, je peux couper tous mes fils qui dépassent. D'accord? J'obtiens ceci et je vais rabattre les pièces BZ envers contre envers. Vous voyez, j'ai fait un mini décalage ici, mais c'est pas grave parce que tout à l'heure, enfin, tout à l'heure, les autres jours, on viendra coudre des pièces ici. Du coup, je vous montre sur l'endroit, c'est mieux. On viendra coudre des pièces ici. Donc, les côtés de BZ, on va plus du tout les voir. D'accord. On parle de sandwich à l'heure de manger, elle dit. Vivi, elle dit, j'ai faim. Eh oui, c'est bientôt l'heure d'ailleurs. Hop. Du coup, je vais couper mes fils qui dépassent. Donc, je vous remontre. J'étais comme ceci. Ok, je rabats les pièces envers contre envers. Si je veux, je peux mettre un petit coup de fer à repasser, seulement si je veux. Nathalie, elle dit, tu aurais dû être prof. Merci beaucoup, Nathalie. Ben, moi, je t'avoue que j'avais envie d'être instite en maternelle. Mais avec l'éducation nationale, on ne peut pas choisir sa classe. Et comme je suis dyslexique, j'avais tellement peur d'avoir des primaires que j'ai abandonné l'idée. Mais oui, j'aurais bien aimé aussi. Alors, ça donne ceci, d'accord? Donc, on rabat les deux pièces envers contre envers, comme ça. Et du coup, j'ai le bord de ma fermeture ici. D'accord, ça va? Je passe par toute trousse et même le string. Ah, j'ai pas compris, Max, ce que tu racontes. J'ai pas tout suivi. Du coup, une fois qu'on est là, on va venir faire une surpiqûre ici, tant qu'on est sur cette pièce. Donc, on vient surpiquer ici, à environ 0,5 cm du bord. Donc là, notre but est d'avoir une couture un peu jolie. D'accord? Et du coup, on allonge son point. Alors, Françoise, elle dit, j'ai 38 entre les deux coins de propreté. Est-ce que c'est bon? Oui, normalement, parce qu'ici, là, tu as perdu 1 cm de marge de couture et un ici aussi. Donc, effectivement, 40 moins 2, ça fait 38. Il n'y a pas de problème, c'est bien. Donc, je viens positionner ma pièce. Alors, moi, je ne suis pas du tout en face de ma machine. Je ne vois pas tout ce que je... Hop, je vais décaler mon aiguille. Et donc, j'essaye de faire une petite surpiqûre jolie. Et là, je me dis que j'ai pris un fil noir et il aura peut-être fallu un fil gris. Bon, c'est pas grave. Ce sera un ouvrage unique. Voilà. Coco, elle dit impec. Et bien, très bien. Donc là, je vérifie que je suis en point allongé. C'est bon. Je ne suis pas obligée de faire un point avant-arrière parce qu'ici, je vais avoir de l'assemblage. Donc, ça va s'arrêter. Mais si vous voulez faire un petit point comme ça avant-arrière, vous pouvez. D'accord? J'y vais doucement. Il y a un truc qui... Voilà, j'y vais doucement et j'essaye de faire quelque chose de droit, surtout. Ok,
Frédéric, bonsoir, je découvre le live, c'est vraiment sympa, il ne me reste plus qu'à préparer mon matériel. Ben, Frédéric, n'hésite pas parce qu'on va couper toute la semaine pendant 2 heures tous les jours et on va finir ce week-end. Donc, tu as largement le temps de nous rattraper, là, c'est des petites étapes. Peut-on coudre les deux en même temps ? Oui, oui, Sophie, vous pouvez faire les deux coins, c'est juste que là, je vous montre parce que ben, j'étais à cet endroit, mais on peut coudre les deux côtés à 1 cm, après faire les deux surpiqûres, il n'y a pas de problème. Hop, je retaille un peu. Mes fils, bien sûr, j'ai un super ciseau pour couper les fils et moi, je prends le gros. C'est normal, tout est normal. François, si tu veux allonger ton point à 4, tu peux. Moi, je suis restée à 3, mais tu fais comme tu veux en vrai. Donc, je vais vous dézoomer Facebook parce que je vous ai un peu zoomé. Voilà, donc ça donne ceci, d'accord, sur l'extrémité. Et je vais faire la même chose ici parce que je n'ai pas fait ici. Voilà, tac. Donc, je fais la même chose de ce côté. J'essaye de garder ma fermeture fermée. J'essaye hein, tant que possible, mais sinon, c'est pas dramatique. Et puis, j'essaye de faire un truc droit parce que ça n'a pas l'air super droit ce que j'ai fait. Hop. Voilà. Donc, je viens coudre. Je décale mon aiguille pour revenir à mon centimètre. Enlever ma pince qui me gêne. On coud le dessus et le dessous en même temps, Sophie. Si c'est ça ta question, oui, tu traverses tout. Oui, oui, on traverse. Je vais vous remontrer là. Je vais finir. Ah, attendez, j'ai oublié de faire mon propre tour. Je vais finir ce côté et je vais vous montrer ce que ça donne. Je crois que ma fermeture, elle est un peu ouverte. Mais... je suis en train de faire n'importe quoi. Je ne suis pas du tout en face. Voilà. Donc, vous voyez, j'ai fait un truc pas droit. C'est pas grave. C'est une voie du direct. Hein. Voilà, c'est pas grave du tout parce que ça va disparaître tout ça. Comme ça, vous verrez que moi aussi, des fois, je fais n'importe quoi. Oui, j'ai fait un bon petit décalage ici. C'est pas grave. Du coup, là, on a la première couture qu'on a fait tout à l'heure à 0,5 et on a la deuxième couture à 1. D'accord ? Et donc, on traverse toutes les épaisseurs. Et ensuite, on ramène ici. Et Elodie, elle va retailler tout ce qui déborde de chaque côté parce que c'est pas très très beau. Oui, j'ai un décalage parce qu'en fait, ma fermeture, elle s'est décalée ici. C'est pour ça. Mais c'est pas grave. De toute façon, il n'y a jamais rien de grave ni de dramatique. Alors, du coup, je vais faire ma surpiqûre et puis je vais trichoter un peu. D'accord ? Ma fermeture éclair est moins large. Elle fait 2,5 et non 3. Ce n'est aucun problème, Barca. Il n'y a pas de problème. Nathalie, les replays sont disponibles sur Facebook aujourd'hui. Oui, aujourd'hui. Et sur YouTube à partir de 21h. Je vais faire mon petit... ma surpiqûre en essayant de faire un peu mieux que la couture d'assemblage. Ah bah non, mais ça va pas du tout. Attendez. Je sais pas ce qui se passe. Hop. Ça va. Je recommence. Bon, alors, je vais pas dire que j'essaye de faire mieux parce que si je fais pire, après... alors, je vais décaler mon aiguille. Allez. Allez, Titine. Je me demande si j'aurais pas un bourrage en dessous en vrai. Attendez, voilà, c'est ça. J'ai un bourrage ici. Bon, je vais démonter. De toute façon, c'est toujours en direct que ça me fait ce genre de choses, toujours. Hop, vous la nettoyez. En même temps, ma machine m'a dit tout à l'heure que je devais nettoyer mon fil. Et comme c'était juste 5 minutes avant le live, je lui ai dit non. Je crois que j'aurais mieux fait de lui dire oui. Alors. Tac. J'enlève mon bourrage, je renfile ma machine et je suis à vous. Bah, pendant ce temps-là, je vous laisse faire une jolie surpiqûre, mieux que la mienne en tout cas. Et j'arrive. Alors, on va remettre cette canette. Voilà. Si j'avais un petit bout de quelque chose, ce serait bien. Voilà. Moi, ça a l'air mieux. Hop. C'est fait. Alors, c'est reparti. Ce côté, en même temps, je me dis que j'aurais mieux fait de le découdre parce que franchement, c'est... déjà j'ai du décalage et en plus je fais une surpiqûre. Voilà. Ah, il y a un truc qui ne lui plaît pas. Okay. Ça a l'air d'aller. Je vais plus utiliser mon coupe-fil et je la nettoierai pour demain. Non, ça va. Oui, j'ai un petit peu de beaucoup de fils qui traînent. Hop. Ça, c'est les bourrages de tout à l'heure. Ok. Donc, ça va, je m'en suis sortie avec ma surpiqûre. Hop, et je vais retailler un petit coup ce qui dépasse. Je vais trichoter, c'est pas grave. Voilà. Comme ça, vous voyez le système D. Alors, je me retrouve avec ceci.
évacuer mes déchets. En fait, c'est qui ne suit pas, c'est Dodinette, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. En fait, je ne sais pas coudre ce modèle. Je ne l'ai jamais fait, je ne sais pas ce qu'on fait. Du coup, on arrive comme ceci, ok? On a notre début de fermeture, il faut qu'elle coulisse, hein. Vous vérifiez bien, c'est important. On a une surpiqûre, on ne monte pas l'envers avec le petit bourrage de fil, ça va disparaître, c'est pas grave. Flo, si elle fait un peu plus de 38 cm, c'est pas grave, ta fermeture. On a là, et de l'autre côté, on a notre petit coin de propreté, lui qui est parfaitement surpiqué et qui n'a pas de décalage. Donc voilà, on va dire que celui-ci est beaucoup mieux. Je vérifie que ma fermeture coulisse, d'accord? Si j'ai un peu plus de 38, c'est pas grave, parce que regardez, si j'ouvre ici, quand même l'épaisseur est loin, j'ai mesuré, normalement, je devais avoir à peu près 2 cm. 1,5, vous avez 1,5 ici. Donc même si vous avez un tout petit peu plus, il y aura toujours moyen de trichoter, parce qu'on va assembler plus tard, hein, pas tout de suite, on va assembler à 1. Donc vous voyez, vous avez 0,5 de marge. Donc au pire, on coupera un peu si ça vous gêne. Ok? J'ai vu une question sur Instagram. Je viens de commander un kit. Je pourrais le faire quand je veux en replay où il n'y a pas de délai de visionnage. Et qui est-ce qui nous a dit ça? C'est Anne. Eh bien, Anne, non, il n'y a pas du tout de délai de visionnage. Tu pourras le voir tant que tu veux et quand tu veux ce replay, il n'y a pas de souci. Est-ce que ça va pour tout le monde? C'est pour ça le patron est surprise aussi pour Dodinette. Elle dit Stéphanie, c'est vrai, c'est vrai. Ça coulisse ce soir, elle dit c'est wing. Eh bien super. Donc là, pour ça, on est bon. Il est 19h50. Je vais vous montrer la sangle et je vais vous donner des devoirs pour demain. Un tout petit devoir, rassurez-vous. Donc je dézoome Facebook. Hop! Ah, on est déjà dézoomé. Ah bon. Donc, du coup, on a notre fermeture, elle est prête. On la met de côté pour plus tard. On ne s'en servira pas demain. D'accord? Hop. Sandrine, à demain. N'hésite pas à regarder le replay parce que tu auras des petits devoirs à rattraper. Donc, je vous montre la sangle et après, ce sera le mot de la fin. Ça va? Tout le monde va bien? Christine, ça va? Génial. Sophie, nickel. Alors, j'ai ici 2,30 m de sangle. Donc, c'est beaucoup. D'accord? J'ai besoin de la couper en 4 morceaux. Normalement, vous avez plus que 2,30 m, hein, d'accord? Un peu plus. Donc, je veux 2 morceaux de 20 cm et 2 morceaux de 94. Donc, on va couper déjà nos 2 morceaux de 20 cm. Donc, je viens ici sur ma règle et je mesure 20 cm. Où est mon crayon? Mon crayon blanc, ce serait mieux. Je ne vais pas le trouver. Bon, c'est pas grave. Donc 20 cm, je ne sais pas si vous allez voir grand chose. Si vous faites 20,5, ce n'est pas grave, hein, d'accord? Vaut mieux trop que pas assez. Je vous montre, je ne sais pas si vous voyez mon trait. Ok, là j'ai un peu plus de 20, je dois avoir 20,2 ou 20,3. 20,2, d'accord? C'est pas grave. Ok? Tu as 2,15 m dans ton kit, et ben voilà, c'est encore un problème. Et ben n'hésite pas, fais-moi un mail et dis-moi le coloris, je t'en renvoie. Je suis désolée pour ce petit couac. Moi, je n'ai pas coupé les sangles trop courtes, normalement. Donc, du coup, on fait son petit trait. Tu peux commencer, hein. Je te renverrai un autre bout, ne t'inquiète pas. Donc, 20 cm ici, d'accord? Je remets un deuxième repère à 20 cm, encore une fois. Hop. Alors, on essaye d'avoir la même taille sur les deux premiers bouts, d'accord? Ça, c'est important. Si vous avez fait 20,5, vous faites 20,5 au deuxième aussi, d'accord? Alors... Du coup, une fois qu'on est là, on vient prendre ses ciseaux, pas de couture, et on vient couper sur notre repère, ok? Hop, donc on veut 2 morceaux de 20 cm chacun. Et pour le reste ici, on va le tailler après. Si vous avez de dispo un briquet, peut-être j'en ai un, oui, vous pouvez venir arrêter le bord de la sangle, d'accord? Laetitia, tu as 2,20 m, est-ce que ça le fait? Commence et tu me diras. D'accord? Là, le 20 cm est très important. C'est très, très important. Donc, si vous avez un briquet, on allume son briquet et on vient passer tout doucement au bord de la sangle. On ne fait pas prendre feu la sangle. Seulement si on travaille du polyester, si vous travaillez du coton, ne brûlez pas, ça ne sert à rien. Et le but, c'est de venir arrêter pour pas que ça file par la suite. D'accord? Hop! Et l'autre côté, c'est pareil. Même chose. D'accord? Je ne mets pas mes doigts dans ce qui est chaud, sinon je vais me brûler. D'accord? Et ça, ma première sangle est prête. Hop, je fais pareil sur la deuxième. Hop, et voilà. Un kit avec 2,20 m. Je pense que 2,20 m, ça va quand même, Laetitia, parce qu'on n'est pas à 10 cm près. Mais voilà, si besoin, écris-moi, il n'y a pas de problème.
Il y a du bazar sur ma table, je ne trouve plus ma sangle, elle dit Coco. Franchement, ça me fait trop plaisir, Coco, parce que je passe mon temps à chercher mes affaires, donc je suis contente d'avoir une copine de bazar. Zev, elle nous dit, bonsoir Dodinette, je n'ai jamais utilisé vos kits et ça me tente bien. Faites-vous toujours la vidéo pour expliquer comment faire. Alors, pas sur tous les kits, Zev, mais celui-ci, oui. J'essaye de vous faire à peu près 2-3 lives par an. Soit c'est mystère comme là, donc c'est un modèle, vous ne savez pas ce qu'on fait. Soit je vous le dis d'avance et soit vous prenez un kit, soit vous préparez vos tissus. Voilà. Mais il y a des replays pour d'autres modèles, n'hésitez pas à les voir. C'est sur blog.dodinette.com dans la catégorie blog couture. J'ai mes deux pièces de 20 cm. D'accord. Hop, voilà. Céline a dit, moi aussi, bazar de table. J'ai envie de te dire, Céline, moi, je suis bazar de vie. Je ne sais pas si ça compte, mais voilà. Donc, je veux deux morceaux ensuite de 94 cm. Donc, je mesure. Et on y va. Hop. Youp. Alors. 50. Ça ne va pas se voir ici. Je vais les couper maintenant, mais... Hop. Et donc, il me manque 44. Est-ce que... Attendez, je vérifie ce que je vous raconte, parce que je vais vérifier que... Parce que comme j'ai écrit des chiffres pour mon pense-bête, mais que je suis dyslexique, je suis capable d'avoir changé les chiffres. Le 20 cm, je suis sûre. Hein. Attendez, je regarde. Page 39. Oups. Alors, page... 39, ok, 94, ok, c'est bon, alors, 44, après on n'est pas à 2 cm près, hein. Honnêtement, s'il vous manque 2 cm, c'est pas grave, alors, voilà, je vais faire mon trait ici, vérifier que j'ai assez de sangle en pliant en deux, oui, j'ai assez, donc c'est bon, et donc je viens couper sur mon repère, ok. Et je m'organise pour avoir les deux sangles de la même longueur. Donc là, je peux tricher, parce que moi, j'aime bien tricher. Je tiens les deux sangles ensemble et je viens recouper. Il me reste 83 cm. Je suis trompée en faisant 83. Je pense que c'est pas grave. Mais par contre, attention, fais les deux sangles de la même taille, d'accord? Donc si tu as fait 83, fais deux sangles de 83, c'est important. C'est pas très grave, hein. Le but, ça, c'est d'avoir une sangle réglable, donc c'est pas grave. Il n'y a pas de souci. Pensez bien avec, si vous avez un briquet qui traîne, à brûler l'extrémité de la sangle, encore une fois, seulement si elle est en polyester, et on ne respire pas les vapeurs, ok, hop, voilà, et voilà, ok, la sangle la plus grande, jamais de côté, j'en ai pas besoin du tout aujourd'hui, c'est pour plus tard, pour, je crois, vendredi, donc on a le temps, d'accord, hop. Je peux même mettre deux sangles de coloris différents entre la grande et la petite si je veux. On fait ce qu'on veut. Donc, là, on va placer notre passant rectangle et ce sera le mot de la fin. Est-ce qu'on peut faire plus long? C'est vrai, oui, mais pas sur la partie de 20. D'accord? La partie de 20, elle doit rester à 20. L'autre, tu peux faire plus long si ça te fait plaisir. Au pire, tu recouperas plus tard. Il n'y a pas de problème parce que c'est à la dernière étape qu'on placera la boucle de réglage. Du coup, je vous monte sur un et l'autre, ce sera votre devoir pour demain. Je cherche. C'est bien parce que plus ça va, plus je mets mon bazar ici. Et vaut mieux pas regarder les backstage. Donc, je viens chercher dans mes petits accessoires un passant rectangle. Ok. Et ma sangle de 20. Je vérifie mon anti-sèche. Hop. Voilà. Donc, je dis, nous allons travailler sur les petits morceaux de sangle. Mettez les deux plus grands de côté pour plus tard. Ok. Donc, je mets ma sangle à plat devant moi. Je vous zoome un peu Facebook, Instagram. Je suis désolée, je ne peux pas vous zoomer. Et je vais venir passer mon passant rectangle dessus. Alors, vous voyez, là, il y a un petit... C'est la partie, là. Vous voyez, il y a un trait parce que le passant, il est replié ici. Il est non soudé. Donc, le trait, je passe ma sangle et je m'arrange pour que le trait, il soit vers le bas. Parce que comme je vais replier, comme ça, on ne le verra pas. Si vous le mettez dans l'autre sens comme ça, bah du coup, ce sera moins joli. D'accord? Mais c'est pas dramatique, encore une fois. Il n'y a rien de dramatique, jamais. Donc, je place ma sangle, mon passant sur la sangle, ok, et je mesure ici. Je dois avoir à peu près, entre le bord du passant intérieur et le haut de la sangle, 2 cm. Donc on essaye d'avoir à peu près ça. Vous pouvez vous marquer un repère si vous voulez, vous faites comme vous voulez. C'est vous qui décidez. Et ensuite, je replie comme ceci. Donc, je peux mesurer ici, je dois avoir un peu moins de 2 cm.
1,8 c'est bien, d'accord? Et je viens placer des pinces. Hop. Et c'est là que je me dis que je vais changer, j'aurais dû changer de fil. Donc là, si vous voulez faire un ouvrage qui soit très très joli, je vous conseille de coordonner le fil avec le coloris de la sangle. D'accord? Ah, Sophie, elle dit, mon fils vient de dire, vous avez carrément des devoirs. Et oui, il y a des devoirs. Tu vois, il n'y a pas que les enfants qui doivent travailler après l'école. Du coup, moi, je ne vais pas changer mon fil là, d'accord? Je vais vous expliquer comment faire et je le ferai en devoir plus tard parce que moi, j'ai un fil noir et ça ne va pas être très joli sinon. Donc, une fois qu'on a fait ça, remarque peut-être que j'ai du fil gris. Attendez, regardez. Parce que j'aimerais bien quand même vous montrer ça. Je crois que j'ai pas de canette grise. Oh, remarque, si c'est en dessous, c'est pas grave. Je vais changer avec le fil du haut, ok? Je vais changer pour mettre un fil coordonné à la sangle en haut. Celui du bas, il se verra pas. Donc, si comme moi, vous n'avez pas de canette, c'est pas grave. Et je vais prendre un fil gris. Et quoi, souris? Voilà. Le but est de ne pas avoir le fil. Ce sera plus joli. Combien de métrages de tissu fleuri et doublure faut-il, s'il vous plaît? Alors, Catherine, je connais pas tous les métrages par cœur. Mais sur le patron, tout est indiqué. Hop. J'enfile ma machine, j'arrive. Attendez, je vous dézoome parce que là, hop, voilà. Alors, toc. D'ailleurs, il faudra que je fasse un peu la poussière sur ma machine. Alors, bon, peut-être vous ne voyez pas en vidéo, ça va. Alors, hop, et je crois que mon aiguille n'est pas compatible. Ah si, hop, avec l'enfil d'aiguille ici, si. Oui, donc c'est bon, je suis enfilée. Enfin, ma machine. Alors, du coup, je vais chercher mon pied pose fermeture. Bernina, vous voyez que j'en ai plein. Donc, je vais prendre le plus fin. J'en ai plusieurs, mais différents, parce que j'en ai acheté un autre. Donc, je prends mon pied pose fermeture le plus fin. Vous voyez, chez Bernina, on change toute la broche. Ok? Donc, ce que je vais venir faire ici, je vais venir faire une couture au plus près possible du passant. Donc pour ça, je prends mon pied pose fermeture, d'accord? Donc je vous décale un peu les pinces. Et je vais venir passer ici, donc je vais mettre mon pied là, et je vais venir placer l'aiguille au plus près du passant. Je ne tape pas dans le passant, sinon elle va se casser. Le but, c'est de ne pas venir à 1 cm, sinon le passant va bouger. Donc de venir au plus près possible, à 0,5 du passant, ça suffit. Vous n'êtes pas obligé de venir à ras du bord, sinon vous risquez de casser votre aiguille. Donc je change mon pied. Comme ça, je préfère vous montrer les étapes. Et moi aussi, je ferai mes devoirs en plus. Alors, je viens me positionner sous ma machine. Attendez, je tire parce que j'ai l'impression qu'Instagram, je ne suis pas en face. Ok. Et je me mets du côté pour avoir la couture du côté où il n'y a pas le repli. Vous voyez, là, c'est le repli, c'est l'envers. Moi, je veux une belle couture ici. Merci Sophie, elle dit, tu es vraiment bien équipée. Bah, j'ai essayé de me faire un truc sympa. Et du coup, je veux le partir replié, elle est au dos. D'accord? Donc, je viens placer ma pièce et je mets mon pied pose fermeture. Je préfère me mettre un peu plus loin et décaler l'aiguille plutôt que de venir dans le passant et que ça coulisse pas du tout. Ok, voilà. Donc, je me mets là, je décale l'aiguille. Attention, le pied pose fermeture, si vous tapez dedans, il va se casser. Enfin, l'aiguille va se casser. Et là, mon but est de faire quand même un point allongé, avoir une surpiqûre un peu jolie. Donc du coup, je prends mon temps. Moi, je vais me mettre à 3,5. Ok. Je fais un petit point avant arrière. J'essaye d'avoir quelque chose de joli. Ok. Et j'avance tout droit. J'essaye de faire quelque chose de droit, c'est important. Attendez, je récupère mon fil parce que... Voilà. Et je vais tout droit. Et au bout, je fais un petit point avant-arrière pour sécuriser cette couture. D'accord? Alors, hop, et je ne coupe pas tout de suite mon fil parce que je crois, je vérifie mon anti-sèche, mais je crois que j'ai autre chose à faire. Hop, non, ça c'est plus tard. Donc, j'ai rien d'autre à faire. Je confondais, j'étais en avance sur les étapes. Donc, une fois que j'ai fait mon point avant-arrière, je sors. Ok, et mon but est d'avoir ceci. Vous voyez, j'ai ma... Alors, on voit pas trop le fil, c'était le but, je vais le couper. C'est que la pièce de passant, elle se promène pas. Vous voyez, au dos, là, vous voyez, parce que mon fil est noir. Là, le but, je suis pas à rara, mais ça va. C'est-à-dire que la pièce de passant, elle coulisse, mais elle descend pas en bas. Et ça, c'est pas très joli, je trouve, sinon. Donc, voilà, hop.
pour la pièce de passant. On va finir pile poil, il est 20h03, donc c'est super, surtout que j'ai commencé un peu en retard. Et votre devoir pour demain va être de faire la même chose avec votre petit morceau de sangle et la pièce de passant restante qui est là. Donc, message pour Didine, ma testeuse, on prend les passants rectangles, surtout on ne prend pas les demi-ronds. Merci. Voilà, ça c'était une private joke, hein, il n'y a pas de problème. Arlette, elle dit merci Elodie pour ce live. Bonsoir à toutes et tous. Eh bien, bonsoir Arlette, je suis contente que ça t'ait plu. Je vais remonter un tout petit peu la caméra pour vous dire bonsoir et répondre à vos questions si vous en avez. Alors, attendez, parce que comme j'ai deux. Hop. Voir si je me mets en face. Oups, et c'est zoomé. Voilà. Ça ressemble à ce qu'on fait pour la banane Charlie Catherine Lee, parce que bah, c'est un patron d'Odinette et quand il y a une technique qui marche souvent, je la reprends. Alors, Instagram, désolé, je vous bouge un peu. Coucou à tous. Hop, voilà. Alors, Hervé dit, je fais mon devoir avec du fil noir car que j'ai pas pour l'instant commandé. Eh ben, tu fais ton devoir avec ce que tu veux, Hervé, il n'y a pas de problème. Après, c'est pas dramatique. Hein. Il y a des modèles sur lesquels je n'ai pas changé de fil. Et honnêtement, ça s'est quand même bien passé. Je trouve que c'est quand même plus joli de ne pas voir. Sachant qu'en plus, on va faire d'autres coutures ici. Voilà. Célia, elle dit merci, à demain. Eh ben, super. À demain tout le monde. J'espère que ça vous a plu. Donc, pensez à vos devoirs. Vous avez la deuxième pièce à faire. Ça va vous prendre 2 secondes. Faites-le maintenant, ce sera fait. Je vous dis bonne soirée. Pour demain, information importante, vous aurez besoin des pièces PA et PI. C'est ce qu'on va faire demain. Attendez, je regarde mon anti-sèche. Ok, et on aura besoin aussi d'autres pièces. Donc, Muriel, je te réponds juste après. Donc, n'hésitez pas à rejoindre le groupe d'entraide, coudre le live Mystère et Ben sur Facebook. On vous mettra demain matin, Claire vous mettra un récap des pièces à préparer. Comme ça, si vous n'avez pas tout découpé, c'est pas grave. Vous pouvez découper jour par jour si c'est mieux pour vous. Sophie a dit merci pour ce premier live, j'adore. Eh bien, génial, je suis contente. Moi aussi, j'ai beaucoup aimé. J'espère que Eben va vous plaire. Demain, gros programme. Là, on a commencé tranquillou, hein, mais demain, gros programme de couture. Donc, rattrapez votre retard si vous nous rejoignez. Et demain, on attaque parce qu'on a quand même pas mal de choses à faire en 5 jours, d'accord? Donc, je me suis fait un petit programme. Attendez, j'enlève ça, ça me fait mal aux yeux. Et du coup, si je vois qu'on est juste, on ne sait jamais, pour ne pas se stresser. Si je vois qu'on est juste pour dimanche, on finira lundi. Comme le patron sort mardi, il n'y a pas de problème. Je pense qu'on tiendra le délai, mais voilà, je préférais vous le dire au cas où, comme ça, on ne se stresse pas du tout. Je vous remercie pour ce live. J'espère que ça vous a plu. Les petits liens récap sont en haut du post. Je vais activer le replay sur YouTube. Pour trouver, si vous voulez, des infos générales sur le live, surtout sur le challenge, le patron, tout ça, blog.dodinette.com en page d'accueil, vous allez voir, il y a des articles dédiés à tout. Je vous remercie beaucoup pour ce live, j'ai pris beaucoup de plaisir, j'ai hâte d'être demain, ça finit à peine, mais j'ai tellement hâte, et du coup, bon devoir. Celles et ceux qui travaillent en replay, bon replay, et puis à demain pour la suite, 18h sur ma page Facebook, les tutos couture de Dodinette, et sur Instagram, Happy Dodinette, je diffuserai aussi demain. Voilà, je ne fais pas souvent de live sur Insta, donc j'espère que ça vous a plu. Bonne soirée à toutes et tous, et puis bonne couture, et à demain pour le mystère Ébène. Merci beaucoup à tous.